pour une fois, je vais me taire. Je vais me taire au démarrage. Je me tais au démarrage et je mets une petite signature musicale. C'est cool, hein? C'est le Social Selling Forum Festival. C'est la troisième journée, enfin plutôt grande demi-journée, puisque tous les jours jusqu'à vendredi, c'est de 13h à 19h, avec trois sessions de 2h dans lesquelles on a des keynotes, des conférences, des débats ouverts à tous. C'est d'ailleurs Chanès qui est là, Sophie, Guy, Marc, Mindy, ils peuvent participer à ces différents échanges. Alors bien sûr, on a des spécialistes avec nous, spécialistes de chacun des sujets. Et là, le sujet du moment, c'est exploiter le remote selling, comme dirait mon ami Bruno Delzen, ou alors vendez à travers un écran, comme diraient d'autres, ou vendez en visio-vente. Hein. C'est comme ça que tu dis, Jean-François, toi, visio-vente, je ne sais plus, enfin voilà. Ouais. Hein. Jean-François, tu dis comment, toi? Vendre en visio. En visio, voilà, vendre en visio. Donc c'est le sujet du moment. Ah ben, il y a Michel qui vient de nous rejoindre, mais il participera d'ailleurs au débat tout de suite ou tout à l'heure? Non, tout à l'heure, mais tu peux aussi participer. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il nous manque un certain nombre de débatteurs, mais ils vont arriver. Hein, ils vont arriver. Qu'est-ce qui manque? Moulet n'est pas là, mais c'est pas grave, il va arriver. Eh bien, on va commencer tout de suite par la première keynote de ce début d'après-midi, que ceux qui ne sont pas là pourront voir en replay, évidemment. Et c'est Bruno Delzen, qui nous fait son « Le remote selling, c'est maintenant ou jamais ». Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé. Tu l'as appelé. Vas-y Bruno, c'est à toi. Merci, merci Loïc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, oui, le titre, le remote selling. Alors, moi j'appelle ça remote selling, je vais peut-être commencer de temps en temps à appeler ça blended ou hybride selling, je ne sais pas encore, mais c'est une réflexion. Alors, c'est maintenant ou jamais, j'en vois qui sont en train de se dire, ça y est, il va nous dire que c'est jamais, n'est-ce pas Jean-François, parce qu'il y en a qui sont en train de se dire, super, on est débarrassé de ça. Eh bien non, la réponse c'est plutôt oui, le remote selling c'est maintenant. Alors je voudrais juste faire un petit zoom sur pourquoi maintenant, peut-être un petit peu sur le comment, mais je pense que le comment va être largement traité après dans les débats et dans la keynote de Jean-François, etc. Donc je n'irai pas trop loin là-dessus, mais en tout cas pourquoi? Pourquoi maintenant vraiment, enfin c'est déjà presque un peu tard, mais enfin pourquoi vraiment maintenant on ne peut plus passer à côté du remote selling? Et pourquoi, je vais dire, il y a deux entrées possibles, qu'on va dire. C'est d'abord, on n'a pas le choix. Et je vais y revenir un peu plus. Et puis aussi, c'est en fait une formidable opportunité. Voilà. Et donc, je voudrais détailler un petit peu tout ça. Pourquoi on n'a pas le choix? Pourquoi on n'a pas le choix? Parce que ça y est, quoi, le télétravail, il est installé. Donc, même si on commence à revenir, certains commencent à revenir un petit peu au bureau, souvent, c'est 1, 2, 3 jours pour certains, certains pas du tout. Il y a des sociétés qui commencent à s'organiser vraiment avec du travail chez soi, du travail dans des espaces de coworking à côté de chez soi, un peu de réunion de temps en temps au bureau ou pas. Et vous avez sans doute vu qu'on entend de plus en plus parler maintenant de délocalisation des emplois de service. Hein, les Échos titraient encore là-dessus. La semaine dernière, on parle de millions d'emplois potentiellement. Il y a des entreprises qui ont annoncé que maintenant, leur recrutement, il se faisait au niveau mondial. Donc, à la limite, puisque de toute façon, comme le disait un économiste, puisqu'on peut travailler, on n'est pas obligé d'aller à la Défense, on peut travailler depuis sa petite maison de Provence, bah, pourquoi pas depuis Casablanca ou depuis Bangkok. Et ça veut dire que nos clients, maintenant, globalement, ils peuvent être partout et ils ne sont pas très souvent tous ensemble, par exemple, si on doit les réunir. C'est aussi un point d'attention, hein, parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce que finalement, les commerciaux aussi, on pourrait les délocaliser et puis dire que finalement, quelqu'un à Bangkok peut très bien faire des ventes à Paris ou en France. Donc pour moi, c'est un point d'attention, je pense qu'on en reparlera. Bon, en tout cas, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut rencontrer les clients, si on veut les rencontrer efficacement, si on veut les rencontrer rapidement, bah, il faut qu'on soit prêt, peut-être pas à faire 100%, mais en tout cas, à être tout à fait à l'aise pour les rencontrer en remote. Il y a un autre aspect aussi, c'est que bah, en fait, les acheteurs, ils ont découvert, quand on dit acheteurs, hein, c'est les acteurs, enfin les décideurs, ils ont découvert, ça c'est McKinsey qui faisait cette statistique en octobre, bon, ça date un tout petit peu, mais pour moi, c'est vraiment ancré. Ils ont découvert qu'il y avait moins de 30% des acheteurs donc, qui voulaient du face-à-face. Finalement, ils trouvaient que ça se passait très bien en visio et autres, enfin en tout cas en remote. Et pour moi, enfin, il y a une question derrière qui serait peut-être un grand débat, mais qui est la question du type de relation
qu'on veut avoir. Et mon interprétation, mon hypothèse, c'est que la relation vue par le commercial, ce n'est pas forcément exactement la même relation vue par le client. Le commercial, il aime bien rencontrer, il aime bien parler, il aime bien échanger, il aime bien, donc il aime bien la relation elle-même. La relation, il faut dire aussi que la relation l'aide, parce que c'est peut-être sans doute certainement plus facile de vendre quand on a une bonne relation, qu'on déjeune ensemble, etc. Par contre, l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut qu'on prenne soin de lui, il veut qu'on améliore sa vie, il veut une expérience, ok, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément une relation, donc dans le même sens du terme. Donc il y a certainement une différence très importante entre les types d'activités où la relation fait partie de la prestation. C'est-à-dire, si vous êtes avocat, si vous êtes consultant, si vous êtes formateur, il faut qu'il y ait un fit et la relation fait partie de la prestation. Vous n'allez pas travailler avec quelqu'un avec qui la relation n'est pas bonne. Mais il y a des tas de sujets sur lesquels ça n'a pas d'impact, quoi. Si vous êtes commercial pour un bureau d'études, à la limite, la relation avec le directeur de projet peut-être est importante, mais la relation avec le commercial en soi, elle n'est pas vraiment importante. Donc, ce que veut le client, c'est que encore une fois, qu'on prenne soin de lui. Et c'est pas spécifiquement de la relation. C'est pas étonnant que si il considère que on s'occupe aussi bien de lui en visioconférence que en présentiel, il trouve que c'est très bien de travailler en visioconférence. Et j'irais même jusqu'à dire que s'il trouve qu'un robot s'occupe mieux de lui que quelqu'un qui vient le voir, il choisira probablement le robot. Donc c'est un vrai changement. C'est pas une parenthèse, quoi, ce qu'on vient de vivre. C'est pas une parenthèse. C'est un vrai changement de paradigme. Et ceux qui seront pas, ou qui savent pas, qui seront pas faire du remote selling, et Jean-François, je suis 100% d'accord avec toi, qui sont pas à l'aise avec la visio, ils sont à mon avis mal partis. Bon, et puis peut-être plus loin, peut-être vers des choses qui ressemblent un peu plus. Bon, on recommence de temps en temps à rencontrer des clients, c'est vrai. C'est plutôt agréable, et peut-être que c'est un élément aussi qui peut être un élément de différenciation et de richesse. Donc peut-être qu'on va aller vers des choses qui sont un peu blended. Mais le blended, c'est comme le blended learning, ça suppose ou training, ça suppose de maîtriser les deux. Hein. Ça suppose de maîtriser le présentiel et le remote. Alors, ça, c'est le côté pas le choix, mais le côté opportunité, il est hyper intéressant parce que, globalement, ça fait gagner, enfin, on s'en est tous aperçus, quoi, les clients, mais aussi les commerciaux, ça fait gagner un temps considérable. Qu'on soit en province avec des kilomètres à faire en voiture, ou qu'on soit à Paris où tous les déplacements sont effroyablement en galère, on va dire, on gagne un temps considérable. On gagne du temps de transport, on gagne du temps parce qu'on fait des réunions qui sont sans doute mieux cadrées, qui sont mieux gérées, etc. Et effectivement, on peut augmenter la quantité de rendez-vous qu'on peut avoir. On peut la multiplier genre par 3, quoi. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui est très important. Donc ça, c'est énorme. C'est un vrai, une vraie opportunité pour moi pour le social selling. Donc, Jean-Loïc, ça va te faire plaisir. Mais parce que voilà, à partir du moment où on dit la relation, peut-être jusqu'au bout, elle est en remote, ça devient très naturel. Et je pense que les commerciaux devraient s'y mettre beaucoup plus facilement, enfin beaucoup plus naturellement en tout cas. Ça devient très naturel de dire le début de la relation, l'amont de la relation, il est aussi dans un mode qui est un mode remote. Et ça, en gros, enfin, c'est social selling, il fait partie de ça, quoi. C'est une grosse opportunité de champ d'action. Parce que là où on était un peu condamné à dire, à se poser la question sans arrêt de dire est-ce qu'on y va, c'est loin, est-ce qu'on peut vendre à l'étranger, est-ce qu'on peut aller à une réunion qui est à Marseille, est-ce que ça vaut la peine, etc. Aujourd'hui, on peut se dire que globalement, Même, imaginons qu'on veuille rester sur la langue française, on peut, en gérant les questions de décalage horaire, mais on peut se dire qu'aujourd'hui, on peut aller vendre au Canada, on peut aller vendre au Québec, on peut aller vendre dans pas mal de pays d'Afrique, on peut aller vendre dans certains pays d'Asie, etc. Enfin bon, donc globalement, on a un champ d'action qui s'ouvre énormément. Je redis, attention, parce que c'est vrai aussi que ce champ d'action, c'est vrai aussi pour nos concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, une société, les gens qui sont à Dakar ou à Montréal peuvent se dire aussi qu'ils peuvent venir chasser ici. Et donc c'est un vrai sujet et il vaut mieux être là avant que trop tard. Et puis ça donne un certain nombre de leviers parce que globalement, quand on a une action commerciale qui est en gros organisée autour de réunions,
et puis que tout le reste est un peu pour préparer ou pour débriefer les réunions, bah, on est limité dans le casting, entre guillemets. On est limité dans ce qu'on peut faire en termes de processus de vente. On peut pas, c'est plus difficile de dire on va plutôt faire 4 réunions espacées de 2 jours. Donc on ne peut pas le faire comme ça. On est limité par ça. On est limité souvent dans la capacité à faire intervenir des décideurs plus facilement. Imaginons, je ne sais pas moi, qu'on se dise, tiens, là, je suis en train de discuter avec la filiale française d'une entreprise, mais qui utilise déjà nos services en Belgique. J'aimerais bien faire intervenir le responsable, le patron de l'entité de Belgique, qui vient de dire 5-10 minutes à quel point il est content de ce qu'on fait avec lui. Bah, dans une réunion physique, c'est quand même assez difficile quoi, de le faire venir de Bruxelles à la Défense pour ça. Alors que maintenant, avec une réunion en visio, tout ça, ça devient, je ne sais pas si c'est simple, mais enfin, en tout cas, tout à fait possible à organiser. Donc, on peut faire intervenir du côté, on peut essayer de faire intervenir quelqu'un, le patron, peut-être si on a un power sponsor plus facilement, qui va venir faire l'intro de la réunion et donc faire, voilà, travailler sur vraiment tout ce qui est sponsorship de nos projets. Donc c'est vraiment des ouvertures qui sont pour moi importantes. De la même façon, du côté des personnes, ben, du côté des vendeurs, ben, on va avoir aussi la possibilité de dire peut-être qu'à un moment, je vois que c'est intéressant que le patron de notre labo il vienne dire quelques mots. C'est intéressant que notre directeur général vienne dire à quel point ce client est important et à quel point, etc. Donc, tout ça sont des choses qu'on peut maintenant faire si on l'organise de façon relativement simple et qui était très compliqué à faire auparavant. Donc, moi, c'est vraiment tout ça, c'est des grosses opportunités, hein, vraiment du temps, mais aussi de la stratégie, quoi, je dirais, du temps, du champ d'action et aussi de la stratégie dans les moyens qu'on peut mettre en œuvre. À titre d'exemple, par exemple, moi, j'ai travaillé avec une société où, de façon un peu peut-être contre-intuitive, effectivement, on a décidé, et c'est très efficace, d'ajouter une étape dans le processus de vente. En général, on est plutôt en train de se dire comment on peut essayer de le réduire. On a réduit la durée du cycle de vente, mais en ajoutant une étape, une étape de type brief, qui permet finalement d'impliquer des personnes qui n'auraient pas été si faciles que ça à impliquer, d'avoir une bien meilleure vue des tenants et aboutissants de tout le monde, et donc d'être beaucoup plus percutant derrière dans les propositions qu'on peut faire. Alors comment ? Comme je disais, je ne vais pas trop insister sur ce point-là qui sera bien traité, beaucoup traité derrière. Je voudrais peut-être juste donner trois grandes lignes, quoi. Il y a une première ligne qui est de dire professionnaliser, quoi. Il y a encore beaucoup. Moi, je ne suis pas encore complètement satisfait de mon éclairage, mais j'ai beaucoup travaillé sur le type de façon d'animer que je pouvais avoir, que ce soit en formation ou que ce soit en commercial. En utilisant de la visioconférence, j'ai pas mal travaillé sur le son qui normalement ne devrait pas être mauvais, et je pense que c'est vraiment, je mets une cravate souvent, pas toujours, et c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument en mettre une, mais ce qui est important pour moi, c'est de dire stop au fond d'écran avec des vacances, etc. Ça a peut-être été drôle pendant plutôt un mois, hein, d'accord, je prends cet exemple-là, de temps en temps, quand il y a une canicule à Paris, on peut peut-être se permettre de venir en Bermuda une fois parce qu'on sait qu'on va avoir 45 degrés, mais quand la canicule est finie, on remet les habits à peu près normaux, on ne garde pas les Bermudas. Bon, là, c'est un peu pareil, hein, ça y est, bon, ok, on a vu, maintenant c'est professionnel, ça doit être la même qualité, en fait, voilà, une visioconférence doit être de la même qualité qu'un entretien qu'on peut avoir avec quelqu'un en présentiel. Ça veut dire la qualité de l'environnement, et ça veut dire la qualité de l'expérience. Alors, quand je dis la qualité de l'environnement, je sais pas moi, si le son n'est pas bon, si vous êtes dans une salle en présentiel et qu'il y a des gens qui font du marteau-piqueur à côté, vous allez, en tant qu'un bon leader de votre process commercial, vous allez demander si on peut changer de salle, enfin comment on peut s'organiser, vous n'allez pas subir. Voilà. De la même façon, c'est pour ça que l'environnement, ce n'est pas seulement le vôtre, ce n'est pas seulement celui du commercial, c'est celui du client. C'est notre rôle de commerciaux d'aider et de faire en sorte, et je dirais même dans certains cas peut-être d'imposer que l'environnement côté client aussi soit un environnement de qualité. On doit se parler dans la qualité, voilà. Donc l'expérience, ça veut dire que évidemment quand on fait une visioconférence, il faut la caméra, il faut les caméras de tout le monde. Pas question de commencer à dire non, je peux pas ceci cela, sinon ça marche plus. Pas question de
Pas question d'avoir des sons qui sont. Alors, il paraît que là, j'entends que quelqu'un dit qu'il y a des coupures de son. Alors, j'espère que c'est pas, ça ne vient pas de moi. En tout cas, pas question d'avoir du son qui est mauvais, etc. Et là, on peut les aider, hein. C'est notre rôle de dire, on fait attention, bien sûr qu'on fait tout ce qu'il faut de notre côté, mais on doit aussi aider nos clients à avoir une bonne qualité de leur côté. Merci pour les réponses sur le son. J'en ai pas mal parlé, donc voilà, revisiter le processus de vente, ça serait trop dommage, en gros, de dire, on va juste, ok, maintenant, alors on fait des visioconférences, on va faire des réunions, mais on continue à faire pareil. Non, on ne continue pas à faire pareil, quoi. Je veux dire, on va peut-être maintenant, on va commencer à faire un peu de blending, mais on peut vraiment se poser la question des étapes, on peut vraiment se poser la question des médias qu'on va utiliser. Je mets email parce que beaucoup de gens utilisent l'email, mais je suis désespéré de voir à quel point les commerciaux se rassurent en faisant des emails dans tous les sens, alors que s'il y a bien une bonne façon pour ne pas échanger, c'est l'email. Ils envoient des propositions par email, ils posent des questions par email, enfin, etc. Donc ça, je le mets pour mémoire parce que ça sert, mais vraiment, c'est pas top. Et puis, comme je disais, on peut travailler aussi sur les acteurs, enfin, on va dire sur le casting, hein, c'est bien côté acheteur que côté vendeur. Et puis enfin, pour terminer, je voudrais dire ce qui est vraiment important, c'est qu'on va travailler à avoir des échanges toujours plus riches. Parce qu'effectivement, on n'a pas, alors je lis par-ci par-là, effectivement, hein, je lis beaucoup de choses sur le fait que bon, il y a des vendeurs qui sont des gens qui ont, on va dire, de la tchatche, de la présence, etc. C'est plus difficile pour eux. Alors, quelquefois, on leur dit, bah, il faut faire des trucs plus flashy. Je suis pas convaincu de ça. Je pense que c'est pas une question de flashy, c'est qu'il faut faire autre chose. Et que maintenant, effectivement, pour d'ailleurs des tas d'autres raisons dont on parlera certainement tout à l'heure quand on parlera de réinventer la vente, de toute façon, on n'est plus là pour aller expliquer des choses aux gens, leur donner de l'information, etc., etc. On est là pour les embarquer. On est là pour les impliquer dans quelque chose, on est là pour co-construire avec eux, on est là pour co-construire avec eux de la valeur. Et ça reste complètement vrai, mais du coup, ça prend une dimension toute particulière, je pense, dans le remote selling, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des outils. Alors moi, j'ai fait un constat, c'est que ça fait un bon moment maintenant, c'est pas mal d'années que je promeut, on va dire, la co-construction, de dire, bah, voilà, le plus tôt possible, mettons-nous l'un à côté de l'autre pour faire un diagnostic de la problématique du client, faire un diagnostic des priorités, de ce qui est vraiment important, travailler avec lui sur comment il va convaincre en interne, enfin, tout ce qu'on peut faire, hein, dans un job commercial, où notre boulot, c'est d'aider les gens, hein, quelque part, les prendre par la main pour les aider à acheter, à faire quelque chose qui est difficile, à prendre des décisions, quoi, hein, d'accord, à changer des choses chez eux, etc. Et donc, ça fait un bon moment que je fais la promotion de la co-construction pour ça, y compris d'outils comme le mind mapping que vous voyez là, pour utiliser ça. Mais il y en a d'autres, hein, il y a des configurateurs, on peut faire des ABAC, on peut faire des tas de choses, il y a des tas d'outils, il y a des outils aussi de créativité, etc. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que c'était plutôt plus facile finalement, que le remote selling était une opportunité pour ça. C'est-à-dire que là où en présentiel, c'était pas toujours facile de savoir à quel moment on va dire d'un seul coup, ben, tenez, travaillons, créons une mind map ensemble, etc. C'était pas toujours très facile et ça pouvait être un peu déstabilisant et surprenant pour le client. Avec le remote selling, c'est devenu quelque chose qui était au contraire, qui venait résoudre un problème finalement, qui était le problème du manque d'intensité des visioconférences. Si on n'y prend pas garde. Et donc, que finalement, côté client comme côté vendeur, bah, il y avait une attente de dire qu'est-ce qui pourrait venir mettre de l'intensité. Bah, finalement, le partage d'écran, enfin, le travail ensemble sur quelque chose qu'on regarde tous ensemble, bah, c'est quelque chose qui vient remettre de l'intensité. On vient bosser ensemble et on se retrouve dans impliquer plutôt qu'expliquer. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire quand on veut embarquer un client avec nous. Voilà, je pense on redira beaucoup de choses sur ce sujet de comment on peut s'y prendre. C'était juste quelques idées et un avant-goût. Moi, ce que je voulais juste terminer, c'est que partir, c'est que voilà, c'est maintenant. Je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Même si on met un peu de blending, je ne vois pas comment un commercial va pouvoir s'en sortir en se disant, ça y est, on retourne à là où on était il y a un an et demi et on retourne tranquillement voir nos clients. Ça, c'est pareil, une illusion absolue.
c'est une opportunité, et c'est une opportunité de faire de la vente bien mieux. Merci. Merci à toi. On t'applaudit comme ça pour ceux qui ont mis leur webcam. Vous pouvez remettre votre webcam maintenant, hein, si vous voulez, ou la laisser si vous êtes encore en train de manger, comme je l'ai fait il y a quelques minutes, Bruno, en t'écoutant. Mais... doctement, quand même. Bravo pour ta présentation. Merci. Ah ben, il y a Moulet qui arrive entre-temps, donc c'est parfait. Tu vois, il est là parce qu'il fait partie de notre débat. Mon ami Moulet, comme soleil, belle kayak. Salut Loïc, salut à tous. Salut. Bon, alors, justement, t'as peut-être pas écouté ce qu'il a raconté, Bruno, aussi ? Non ? Bon, alors, j'ai demandé bien à Jean-François. Si. Oui, bon, on va en reparler après. Jean-François, une petite réaction par rapport à ce qui a été partagé par Bruno. Jean-François, oui. Qui nous fera une keynote tout à l'heure. Une petite réaction. Bon, bien sûr, je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit. Il y a des choses qui vont encore peut-être même plus loin. Par exemple, Bruno a insisté sur les avantages de la visioconférence et il en a cité quelques-uns. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des commerciaux, et bah, nous, on en forme beaucoup, on les rencontre par centaines, c'est qu'on s'aperçoit que les commerciaux ont tendance à se centrer sur les deux ou trois inconvénients de la visioconférence. Et c'est vrai que la visioconférence a des inconvénients. Le fait qu'on perde le verbal, l'intonation, l'énergie, etc. Le fait qu'on perde le non-verbal, la gestuelle, le regard, l'expression orale. Il y a également le fait que le client est plus facilement perturbable de son côté puisqu'on ne voit pas ce qu'il fait. Il y a le manque de feedback. Bon, très bien. Tous les commerciaux, on est super fort pour voir là où ça marche moins bien. En revanche, ce qu'on sous-estime, c'est vraiment tous les avantages. Et ils sont colossaux. Vous avez la notion de confort. Tous les commerciaux qui avons fait des trajets où tu dors dans des hôtels pourris, tu te fais des restos VRP où tu es tout seul, etc. Putain, c'est quand même pas mal d'être chez soi. Il y a le fait de pouvoir parler sans masque, mine de rien. Je pense réellement que pour une soutenance aujourd'hui, on a plus d'impact dans notre expression orale quand le client nous voit en 4x3 dans un écran, dans une salle où eux, ils sont réunis, que quand ils nous voient à 4 mètres de distance avec un masque qui nous cache jusqu'aux yeux. Il y a ceux dont a parlé Bruno, les diminutions de perte de temps, de perte de déplacement, les diminutions de coûts, mais il y a également l'augmentation du temps de vente qui est colossal. C'est moi, je me surprends des fois à animer des journées, des journées de formation le jour et à faire deux rendez-vous de vente le soir. Mais dans la vie réelle, ça m'est jamais arrivé. Quand tu fais une animation une journée, tu ne fais pas de rendez-vous de vente le soir. Ça m'est arrivé de faire 6 rendez-vous de vente dans la journée. Nous, on est sur de la vente de conseils et de formation. C'est des rendez-vous d'une heure et demie. Dans la vie réelle, quand tu fais 4 rendez-vous, mais pétard, t'as couru dans tous les sens, t'as raté aucun métro, c'était tout dans la même ville, etc. Et là, tu fais 4, 5, 6 rendez-vous dans la journée d'un claquement de doigts. Il y a un truc très important qui est l'accélération des process de vente. Quand on prend les ventes complexes, on sait très bien qu'on doit rencontrer les vrais décisionnaires. Et dans la vie réelle, plein de fois, on perd des affaires. Pourquoi ? Parce qu'on est trop bas dans le process, parce qu'on n'arrive pas à les rencontrer. Alors on se dit, ben, il vaut mieux que je rencontre un mec avec des grandes oreilles qui va bien écouter ce que je raconte et puis il le répétera aussi bien que moi et puis ça vendra quand même que rien faire. Ouais, mais il y a mieux. C'est rencontrer les mecs qui sont capables de décider. Et pour rencontrer un dirigeant, bien des fois, il faut 3 semaines, 3 mois. Ici, il faut 48 heures pour planter un rendez-vous. Alors, quand on prend des ventes complexes où il y a 5-6 rendez-vous, attention, hein, si je gagne 3 semaines sur 5 étapes, à la fin, ça se compte en mois d'accélération de process de vente. Et puis, je pense que peut-être le plus important, c'est l'amélioration des taux de transformation. Parce que, bien sûr, derrière, je vais transformer plus si je suis plus en contact avec les décideurs. Mais également, il y a l'alternance visuelle et audio qui est beaucoup plus facile et qui augmente notre impact. Et il y a également la prise de notes facilitée. C'est aujourd'hui, dans un rendez-vous de prise de brief, il faut absolument demander au client le droit d'enregistrer. Et à ce moment-là, on arrive, après en réécoutant, à s'imprégner de son jargon, avoir non seulement une compréhension de ses problèmes, mais même de la manière dont il les exprime, et d'être beaucoup plus fidèle quand on est en phase de proposition. Et donc, quand on prend un outil qui permet de vendre plus vite, plus souvent, avec des meilleurs taux de transformation, mais il faut être fou pour ne pas l'utiliser, quoi.
Merci pour ce premier partage, Jean-François. Stéphane, ton point de vue rapidement sur le pourquoi, on va pas passer tout notre temps sur le pourquoi, mais quand même c'est intéressant de vous écouter là-dessus. Sur Stéphane le Beria. pourquoi, Loïc, je vais faire des redites, Complète alors. mais parce que c'est une formidable opportunité. La question, alors si je faisais une blague, la question elle est vite répondue. Voilà, celle-là elle est faite. Mais très très honnêtement, la question elle se pose même plus. Là, pour moi, la question, elle se pose plus de savoir si on doit avoir ou pas des contacts visio avec les clients et les prospects. Franchement, D'accord. alors j'ai un avis peut-être un peu tranché, mais la question, pour moi, elle se pose plus. Il faut systématiser les contacts au travers de la visio. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais pour toutes les bonnes raisons qui ont été évoquées et par Bruno et par Jean-François. Le gain de temps, de l'efficacité, etc. Toutes ces bonnes raisons. Aujourd'hui, le remote selling s'est complètement invité dans le quotidien du commercial. Pour autant, ça demande de nouvelles compétences, ça demande de bons réflexes, ça c'est clair. Moi, j'ai visité plus de 500 appartements et maisons pendant la période Covid. J'ai vu l'intérieur de tout le monde. Mais au secours, parfois sur les postures, on parlait des postures, mais la posture est très très importante. Je rappelle à toutes fins utiles que dans télétravail, il y a quand même le mot travail. Donc, un commercial qui vient en remote selling, il vient habillé comme s'il allait chez son client. C'est le béaba de la vente pour moi. Bon, la cravate n'est pas obligatoire, même si j'apprécie que Bruno en ait mis une, mais en tout cas, la posture doit être la même. Et je terminerai juste. Pour peut-être un message aux managers commerciaux. Les commerciaux qui ne sont pas précis en visio-vente, dans 98% des cas, ils n'étaient pas précis en face-à-face. Faut se poser les bonnes questions. Merci. Alors, justement, on va poser la question à un ingénieur d'affaires, un commercial, un vendeur, un account exec, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs chez lui. Moulay, chez toi, qu'est-ce qu'on fait en matière de On fait ce visio-vente? que. T'en fais beaucoup? Pourquoi t'en fais pas? On fait, on demande, on fait ce que le client attend. Et aujourd'hui, il y a une question qui s'est insérée dans notre découverte et dans notre prise de rendez-vous, c'est est-ce que vous voulez que je vienne vous voir en vrai ou est-ce que vous voulez qu'on fasse le rendez-vous via Teams? Donc, on fait ce que le prospect, ce que le client attend. Et ensuite, oui, moi, j'en fais beaucoup. Enfin, j'en fais aujourd'hui. Peut-être la moitié de mes rendez-vous ont lieu en visio via Teams, qui est un super outil qui permet en effet une certaine proximité. Et je crois qu'il va y avoir un mix des deux, et puis qu'à un moment donné, on se verra dans l'année en visio, on se verra de visu, mais pour une rencontre de meilleure qualité, peut-être plus longue, peut-être plus intéressante que le rendez-vous d'une heure ou une heure et demie qui pouvait avoir lieu auparavant. Oui, on est dans le monde d'après, on est dans le monde d'après où on écoute toujours nos clients et nos prospects et on fait ce qu'ils nous demandent. Donc voilà. Merci Moulay. Alors, quelle est la vision d'un marketeur comme Nicolas? Alors, il n'est pas dans la vente directement, mais il vend aussi des choses, hein, Nicolas, mon ami d'IBM. D'abord, merci Bruno. T'as un problème de micro? Vas-y, parle. Tu m'entends ou non? On t'entend pas assez fort. Alors attends. Oui, c'est mieux. Vas-y. Ça va mieux. Ouf. Ouf. Tout d'abord, un grand merci Bruno, parce que c'est vrai que c'était tout à fait en ligne avec ce que l'on vit. Moi, je travaille avec des partenaires qui sont situés un peu partout en Europe, Middle East et Africa. Donc, notre mode de fonctionnement a évolué dans la mesure où on les voyait à peu près une fois, deux fois par an dans des grands événements. Et autrement, on a travaillé dans ce mode-là depuis un certain nombre d'années. Et on a même mené des workshops de planification. Alors, moi, il y a un point que je voudrais dire, c'est ce que je ressens. Et je le ressens dans les événements qu'on organise. Je le ressens dans les contacts que j'ai avec un certain nombre de dirigeants, de distributeurs. On est aussi dans un peu ce que j'appellerais une web fatigue.
C'est-à-dire que moi, je le vois sur le nombre d'événements où on a une décroissance des participants. Et on a aussi de plus en plus, y compris sur des réunions internes, des gens qui se mettent hors caméra. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Il y a un autre point, et là où je serais un petit peu pas tout à fait en accord avec Bruno et avec Jean-François, je pense que quand on est en face à face, quand on est dans la même pièce, quand on est autour d'un café avant la réunion, il y a un certain nombre de choses qui se passent pas quand on est en Webex, quand on est en Teams, où on rentre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas le petit café avant, il n'y a pas le raccompagner, se faire raccompagner à l'ascenseur où il y a des choses qui se passent. Et on est extrêmement productif pendant ces réunions Webex ou Teams, mais il manque le petit contact qui se passe pas aujourd'hui dans nos réunions en webinaire, sous forme de visio. Bah, très bien, alors une petite Oui, réaction de... ça enlève un biais, hein. Ça enlève des biais, mais tant mieux, ça met tous les commerciaux sur le même pied d'égalité aussi. Ah oui, ça... Alors une petite réaction de Bruno Ça et de met tout le Jean-François, monde à puisqu'ils ont égalité. beaucoup... Une petite réaction de Bruno d'abord, pour faire finir ce tour de table des panélistes par rapport à ce qui vient d'être dit par les différentes personnes. Oui, j'ai envie de rebondir surtout sur ce que vient de dire Nicolas, parce que je suis tout à fait d'accord. Enfin, pour moi, il y a un peu peut-être... Deux grands sujets qui mériteraient de faire du présentiel, quoi, parce que, enfin, pardon, on ne va pas le dire comme ça, mais deux choses qu'on a du mal à trouver en étant uniquement en remote. Il y a effectivement, moi je mettrais aussi le hasard, même Nicolas, quand tu parles de ce qui se Sérendipité. passe avant, mais c'est un peu le hasard, c'est-à-dire j'arrive dans une réunion présentielle, je ne sais même pas forcément qui sera dans la salle le premier, etc. Et c'est des choses qui peuvent être extrêmement riches. Enfin, c'est comme ce qui se passe à la machine à café, etc. Et ce hasard-là, quelque part, il a disparu. Je pense qu'il faut qu'on arrive à le reconstituer. Alors, reconstituer peut-être effectivement par du présentiel, mais le reconstituer aussi. Et je n'ai pas totalement la solution, mais je sais que par exemple, dans des événements réseau, je n'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter encore, mais je me disais, on pourrait s'amuser. Loïc, il pourrait s'amuser à un moment à dire, tiens, allez, je vais vous diviser en je ne sais pas combien de groupes de trois. Et allez-y au hasard, et allez-y, faites connaissance, comme vous seriez dans un cocktail, où à un moment vous seriez les uns à côté des autres en train de vous servir un verre et que vous commenceriez à bavarder, à parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, Loïc, tu en feras ce que tu veux, ce que je dis, mais je pensais à ça. Et il y a le deuxième sujet qui est pas évident, c'est qu'il y a des. C'est que même s'il y a des outils, etc., il y a des points où il faut de la créativité qui demande. Pratiquement de... Enfin, c'est pas un hasard si par exemple les gens font des Legos, quoi, font des travaux en équipe avec des Legos, par exemple. Enfin, voilà, y a beaucoup de choses comme ça où on doit toucher, où on doit jouer sur l'espace, enfin, on doit bouger, on doit se tourner. Enfin, les coachs utilisent beaucoup ça et on l'utilise, et c'est utile aussi en vente, quelquefois, pour changer sa façon de voir quelque chose. Et ça, c'est un truc pour l'instant, je pense que c'est pas encore très facile, même s'il y a des outils, encore une fois, c'est pas encore très, très facile. Ça manque du physique, etc., dans le remote. Donc je pense que voilà, c'est des sujets qui méritent de dire si on peut refaire un peu de présentiel, quand on pourra, je suis d'accord avec Jean-François, enlever le masque. Ça, avec un masque, c'est pas très utile. Quand on pourra enlever le masque, oui, ça mérite vraiment d'être mis en avant. Ok, merci. Quelqu'un, une dernière réaction, Jean-François? Non, c'est bon? Oui, bah sur les inconvénients de la visio, moi je les nie pas. Et d'ailleurs, je commence souvent les conférences là-dessus avec la balance avantages-inconvénients. Donc les inconvénients, c'est toujours les mêmes. On arrive en chiffre 3. C'est le contact informel qu'on perd. Dans le contact informel, il y a ces infos qu'on glane à la machine à café. Mais il y a également, moi j'ai un client qui vend des microscopes dans l'industrie, mais pas des microscopes comme vous imaginez au moment où j'ai dit microscope, hein. C'est pas un binoclard devant lesquels vous mettez les yeux, ça ressemble plutôt à une cabine d'un A320 en taille et ça sert au contrôle dans la production industrielle. Pour rentrer le microscope dans la boîte, il fait 600 kilos. Souvent, il faut casser des murs et on comprend bien que faire une réunion en visio n'a pas du tout l'équivalent que d'aller sur le site et de voir à quoi ressemble le site, à quoi ressemble le truc, etc. Il y a également une partie importante qui sont les gestes amoindris, le regard moins perçant, donc tout ce qui est de la communication non verbal qui nous affaiblit. Alors, ce que ça fait, bah, c'est que l'excellent orateur, genre Michel Aguilar, eh bien, il est tellement excellent qu'il va rester très, très, très bon. Vous avez celui qui est bon, eh bien, il devient moyen.
Vous avez celui qui est moyen, il devient médiocre. Donc oui, il y a ces inconvénients. Et ça, tous les commerciaux de la planète, alors pour te les décrire dans tous les sens et te dire pourquoi ils ne veulent pas faire de visio, là, ils sont très très forts. En revanche, si aujourd'hui vous prenez 100 commerciaux et vous leur dites quels sont les 10 avantages d'une visioconférence, je les ai cités très rapidement tout à l'heure, eh bien, rares vont être ceux qui vont être capables de vous en sortir 10. Alors qu'ils sont majeurs à côté de ça, dans la mesure où ils permettent d'améliorer les taux de transformation, améliorer la fréquence de vente, vendre plus vite, vendre plus haut, vendre à des plus gros décideurs, etc. etc. Ok, ok, merci. Bon. Dans la salle, là, je vois qu'il y a, il y a du beau monde dans la salle, et en plus qui se montre en vidéo, comme ben, notre ami Jean-Pascal Mollet qui est là. Il y a Sophie qui a fait comme ça plusieurs fois, Chanaise, Alain, Marc. Allez-y, levez la main et réagissez par rapport. Voilà, ben, voilà ben, vas-y, Jean-Pascal. Allez, mets ton micro par contre, il faut apprendre à mettre. Avec Zoom, on le met en bas. On le met en bas à gauche. Je rigole. Ça va, vidéo, c'est bon, c'est bon. Je voulais être discret, je fais que passer parce que voilà, je dois repartir dans 10 minutes. Mais j'ai vu le sujet, je me suis dit, bon, il faut quand même que je passe ma tête. Et si le sujet, c'est la visio pour les commerciaux, en tous les cas, c'est un outil formidable et c'est un outil qui permet de faire plus de business. Et c'est surtout quelque chose qui permet de faire quelque chose que les commerciaux ne faisaient pas trop, sur lequel j'insistais, c'est-à-dire de ne pas envoyer une propale, mais de l'argumenter et de prendre forcément un rendez-vous. Et j'ai entendu parler du premier rendez-vous, mais pour moi, presque pour le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, qui va être l'explication de sa proposition. Il y en a beaucoup qui envoient des mails et puis qui attendent de voir ce qui se passe. Avant, je disais, bah voilà, c'est pas grave, tu prends un rendez-vous téléphonique et puis tu demandes à ton client de regarder en même temps la propale et tu l'expliques et tu réponds à ses objections. Aujourd'hui, il est interdit à un commercial de ne pas prendre un rendez-vous en visio pour présenter sa propale et pour l'expliquer, pour répondre aux objections. Et ça, c'est quand même royal. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est un vrai atout. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure et comme je l'ai entendu, et c'était Nicolas qui disait ça, bah, on ne peut pas remplacer le présentiel. On voit bien la différence. Moi qui anime beaucoup de formations en présentiel et en distanciel. Là, j'ai repris le présentiel depuis 2 mois. Les gens ils disent, mais ça n'a rien à voir. On en a ras-le-bol devant des caméras, devant des trucs. C'est pas pareil, on ne fait pas les mêmes choses. Et notamment pour les sujets qui nous intéressent ici, que sont la vente et l'accompagnement et le coaching commercial, qui sont des formations comportementales, bah, on est quand même mieux dans une salle à discuter, à échanger, à se mettre en situation que de faire ça à distance derrière une caméra, même si ça fait partie des outils du 21e siècle. Merci. Voilà. Alors, puisque tu es là, je vais embrayer sur ma question. À moins que quelqu'un d'autre ait une réaction absolument à nous donner, absolument parmi les participants. Bah, vas-y, oui. Alain. Oui. Moi, ce que j'aime bien dans la visio, c'est que surtout, on peut mixer les deux, le présentiel et le distanciel. Ça a un intérêt pour des commerciaux, c'est que ça va multiplier les points de contact avec un prospect et avec un client, et ça augmente la fidélisation. Je crois que la vraie difficulté, parfois, c'est de fidéliser ses clients et surtout d'augmenter la fidélisation de ses clients. La visio est un outil extraordinaire pour le faire, et ça, on peut le rappeler. Et dernier point, deuxième point plutôt, ce qui est difficile dans la visio, c'est la partie émotionnelle, parce que la vente, c'est avant tout des émotions, c'est la vie, quoi. Enfin, on est des êtres humains et on a besoin d'avoir des émotions. Alors, en distanciel, c'est très difficile. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des choses qui vont créer de l'émotion, de l'humour, des diapos qui soient sympas, enfin, des choses qui soient beaucoup plus impactantes. C'est un vrai sujet et ça demande du travail. Absolument. Merci. Merci à vous, merci à vous. Je vois que Dominique fait ça aussi. Dominique Sauk, qui est un spécialiste de tout, lui d'ailleurs, il interviendra demain après-midi. Il faut absolument venir à 15h. Il n'y a pas que l'emploi traditionnel dans la vie, hein, n'est-ce pas, Dominique? Tu avais un point de vue là-dessus en 2 secondes ou c'est bon? Non, vraiment en 2 secondes, parce que c'est sur le point de Bruno qui disait on manque les moments machine à café, les moments ascenseur. Et en fait, c'est juste pour donner peut-être une contrepartie à ça. C'est que par contre, et c'est Jean-François qui le disait, on a plus de temps grâce à la visio pour passer des moments de qualité sur lesquels du coup l'émotion passe. Là où justement, hier, on est obligé de passer ce temps-là dans la voiture, ce temps-là ailleurs. En fait, moi, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'interface avec beaucoup plus de gens et sur lesquels je ne suis pas en train de faire de la déballe, je suis en train de vivre une relation. Et par contre, après tout le reste, je vais utiliser de la vidéo, je vais utiliser des choses statiques pour faire passer des messages standards. Mais du coup, ça me donne une ouverture de mon temps beaucoup plus élargie pour avoir justement une approche beaucoup plus relationnelle et humaine avec les gens, paradoxalement. Voilà, c'était juste la parenthèse. Alors,
Merci beaucoup, merci. Alors je disais, comme on a Jean-Pascal qui lui est un spécialiste, entre autres, non pas simplement de la visio, mais également de la vidéo, et notamment la vidéo sur TikTok, hein, on le voit, il est sur TikTok, il fait ses minutes là-dedans. D'autres parmi vous sont des spécialistes ou pas d'ailleurs du live streaming, parce qu'il n'y a pas que la visio-vente dans la relation, dans le remote selling, il y a tout un arsenal d'outils, pas que le moment où on est en visio-vente avec un client. Donc moi, je mets dedans également les vidéos qu'on peut faire, les lives en vidéo qu'on peut faire, d'accord, ou d'autres éléments où il y a de la visio, entre guillemets, hein, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas de la visio-vente au sens « je suis face à un client », mais ça fait partie du processus de vente. Alors, est-ce que là-dedans, vous avez des bonnes pratiques que vous voulez partager avec nos amis qui vont nous regarder à un moment donné ou pas, d'ailleurs, dans cette vidéo? Alors, qui veut être le premier à parler des bonnes... Ben voilà, Jean-Pascal, puisque tu es là 5 minutes, vas-y, donne-nous une ou deux bonnes pratiques. Non, mais alors, je ne sais pas si c'est des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques. En tous les cas, il est important d'avoir du synchrone et de la synchrone et d'avoir des choses qui restent sur Internet. C'est là où moi, j'évite d'abandonner Clubhouse, mais tout le monde... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon avis sur le sujet. C'est que, voilà, il se passe des choses et puis que ça disparaît. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, j'en ferme la parenthèse. En tous les cas, voilà, je crois que c'est important de laisser son empreinte. On passe quand même beaucoup plus de choses en vidéo. Il faut y aller. Et le premier conseil, c'est, pour ceux qui n'y seraient pas encore, allez-y, faites une chaîne YouTube, faites des vidéos, faites des lives. Allez sur TikTok. En plus, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'enjeux. Même si moi, j'ai eu deux business grâce à ça. Maintenant, il n'y a pas encore beaucoup d'enjeux. Il faut y être. C'est un réseau qui va exploser et qui permet des trucs incroyables en termes de vidéos et surtout très facile à utiliser et avec plein de possibilités. Voilà. Donc, mon conseil, c'est de s'y mettre, en fait, pour ceux qui ne le feraient pas encore. Qui veut directement rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pascal? Peut-être Mouley, qui est un spécialiste de Clubhouse, d'ailleurs, tant qu'on y est. Non, Mouley? Tu veux rebondir, tu n'es pas obligé de parler de Clubhouse, Moulet. Hein, mets ton micro, par contre. C'est à Jean-Pascal que je disais de mettre ça. Voilà. Avec Jean-Pascal, on échange régulièrement, en plus, et on se marre bien, en plus. Mais moi, je crois qu'il faut faire, ce que disait Jean-Pascal juste avant, il faut faire tout ce qui peut contribuer à enrichir votre image et à faire que vous êtes connu avant d'arriver et qu'on ait l'impression de vous connaître, même si on ne vous a jamais vu. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, que tu fasses une vidéo, que tu participes au Social Selling Forum, que tu aies une room sur Clubhouse qui commence à tourner un petit peu, que tu écrives des articles, que tu sois visible dans des événements et dans du live, etc. Contribue à créer une image de spécialiste, d'expert, on dit ce qu'on veut, mais qui fait que lorsque tu as un premier rendez-vous avec quelqu'un, il a l'impression de t'avoir déjà vu, un petit peu comme il a l'impression de connaître cette voix du mec qui est à la radio quand il le rencontre dans la vraie vie, ou de croiser un visage qu'il a déjà vu au théâtre ou à la télé ou ailleurs. Donc c'est ça, c'est être connu avant d'être rencontré. Je crois que c'est tout ce que tu peux faire qui peut contribuer à ça va t'aider en tout cas à développer ton business, à vendre et à t'épanouir. On est tout à fait d'accord. Alors, tu as un problème de Wi-Fi, toi, tu as un problème de bande passante. Moulay, il faudrait que tu regardes si tu peux te mettre ailleurs ou changer quelque chose sur ton smartphone. Alors, mais il y a un petit souci. On a réussi à t'entendre, mais c'est pas génial comme qualité audio. Et je suis en 4G aujourd'hui, malheureusement. Alors, change d'endroit peut-être. Essaye de voir si tu peux changer d'endroit, mais ça va tout juste. Compris le message. Alors, juste, il a raison, notre ami Moulet, d'ailleurs, je vous enjoins à venir à nouveau écouter mon ami Philippe Deliège, qui interviendra jeudi après-midi, hein, à 13h. Son truc à lui, il a écrit même un petit bouquin, il est facile à lire, hein, c'est « Être connu d'avance, accélère la vente », et ça, on en est, la plupart d'entre nous, totalement persuadés. Merci beaucoup, Moulet. Alors, on continue sur ma même question, des bonnes pratiques, vente, live, visio, hein, allons-y, ce que vous voulez. Stéphane Peria, vas-y. Oui, bah écoute, je vais reprendre juste la vidéo parce qu'effectivement, je trouve que c'est un vecteur qui peut être plus ou moins bien fait. D'ailleurs, on peut être un professionnel ou pas. Je suis d'accord avec Jean-Pascal sur le fait que faut essayer déjà. Et puis, regardez autour de vous, renseignez-vous autour de vous, cherchez aussi un peu sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui sont un peu spécialisés dans ce domaine-là et qui peuvent vous aider.
qui peuvent vous donner de bons conseils sur ne serait-ce que l'équipement pour faire une vidéo, ne serait-ce que la posture, les prises de vue, le timing, des choses comme ça. Donc, mais je rejoins tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit sur l'utilité de la vidéo, que ce soit en visibilité ou le sentiment, comme disait Moulet, de tiens, j'ai l'impression que je le connais déjà, en fait. Bah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je suis moins expert que Jean-Pascal, hein, parce que c'est un peu un touche-à-tout. De toute façon, dès qu'il y a. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez savoir quel est le nouveau réseau qui sort, vous demandez à Jean-Pascal. En fait, c'est un peu ça l'idée, parce qu'il y est déjà. Et tu sais même pas que ça existe. Alors, c'est assez marrant, je sais pas quoi il fait. Mais oui. J'adore. Mais en plus, je sais que c'est un passionné de magie, donc c'est un peu un magicien. Bref, c'était la parenthèse Jean-Pascal, et j'en profite, merci, puisque dans l'assistance, il y a mon collègue Alain de Tours et d'Orléans qui s'essaye assez régulièrement à la vidéo avec beaucoup de succès. Je trouve que c'est vachement bien ce qu'il fait. Donc, ouais, let's go sur la vidéo. Et, okay. et c'est super important. C'est un super format. Bon, qui d'autre veut réagir là-dessus? Vidéo, live streaming, visio. Hein, on parlera encore plus de la visio tout à l'heure. C'est pour ça que. Et je tous sur TikTok. Allez créer votre compte TikTok. Allez-y. Oui, oui. Alors. Félicie, hein, copine de Moulet, Félicie le Dragon, elle dirait allez sur BitCloud. Tu es sur BitCloud? BitCloud. Tu es sur BitCloud, Jean-Pascal? Ah ben, il n'y est pas, tu vois. Non, mais Stéphanie, c'est pas vrai ce qu'il dit. Je suis pas partout. Non. Et voilà, il n'est pas sur BitCloud. Moulet va y être, hein, lui, parce qu'il veut vendre du NFT et tout ça. Non, je suis pas. Ok. Nicolas de Sachy, ton point de vue sur un de ces bonnes pratiques sur l'un de ces moyens à utiliser en remote selling? Je dirais la vidéo et je dirais la vidéo qui n'est pas live, elle a plusieurs intérêts. Un, on peut travailler sa qualité. Et par exemple, moi, j'ai mis en place une vidéo que je publie toutes les semaines avec les dernières nouvelles. Ça permet, un, de travailler sa qualité. Deux, ça permet aussi d'être désynchronisé. Et puis, dernier point, ça permet de pallier à tous les inconvénients qu'on peut avoir avec la technique aujourd'hui. C'est-à-dire que alors nous, on utilise WebEx, mais un jour sur deux, ça ne fonctionne pas. Non, je suis un peu dur là, mais une semaine, un jour sur cinq, ça ne fonctionne pas. On peut avoir des problèmes soi-même de réseau, on peut avoir des problèmes de son. Donc, j'ai commencé à travailler, moi, en interne, la vidéo, pour m'assurer d'avoir la qualité pour après aller sur l'externe. Parce que je pense qu'en effet, si on fait de la vidéo en externe, il faut qu'on soit sur de la bonne qualité, parce que c'est l'image de soi, puis c'est l'image de la boîte aussi. Ouais, alors je vous signale que moi, j'ai fait beaucoup plus de 1000 heures de vidéo depuis un an et demi, à 100% avec Zoom, et sans aucun problème, d'ores et déjà, aucun. Alors, bien sûr, quand je vais sur Teams ou sur WebEx, de temps en temps, il y en a. Mais je dis ça, c'est pas que je vais promouvoir Zoom. Mais enfin, en tout cas, ça marche à peu près. Avec une simple box normale, free, etc. Vous voyez, un équipement, bon, avec deux écrans ou trois écrans. OK. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, Bruno. Alors, vas-y, Dominique, avant que. Vas-y. Ouais, non, juste parce que, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a, par rapport aux séquences, c'est-à-dire que souvent, en fait, on parle de séquences de prospection, c'est-à-dire comment je me fais connaître. Là, si je reste juste sur la question de la vente et le process de vente, moi, je me suis rendu compte que ce qui marchait bien, c'était, si je décompose grosso modo un processus de vente en trois phases, diagnostic, démonstration, décision, si je le fais à la hache comme ça, je dirais que le diagnostic, ça, c'est super de le faire en présentiel, vraiment en one-to-one avec quelque chose où la visio peut vraiment apporter cette relation et poser les bonnes questions à la personne, être vraiment dans la personnalisation. Le côté démo, par contre, ça, maintenant, moi, je le fais avec des outils que j'envoie à côté. C'est-à-dire que je fais mon diagnostic et j'ai préparé presque exactement la même séquence, mais en vidéo, où là, j'ai une série de vidéos. Et souvent, quand je fais des vidéos en différé, je vais voir comment je ne peux pas les intégrer dans un tunnel avec maintenant des logiciels très simples où, en fait, on embarque le client une séquence à la fois et on peut même savoir à quelle étape il en est dans sa propre découverte, de manière à rentrer dans quelque chose d'un petit peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je fais un pas vers toi, mais toi, est-ce que tu fais un pas vers moi? De sentir un petit peu, grâce aux étapes de la vidéo, de voir un petit peu où la personne va dans ses séquences. Par contre, après, l'étape de la décision, là, on revient sur du personnalisé. Et donc, en fait, moi, je mixe les deux. C'est-à-dire, je mixe du présentiel et du asynchrone, en fait,
Mais là, je suis dans mon process de vente. Et après, je suis d'accord sur la partie prospection. Par contre, prospection, ben là, peut-être du live et des choses plus globales pour se faire connaître. Ouais. Cela dit, quand tu as dit présentiel, c'est éventuellement présentiel en visio. Ah oui, pour moi, oui, autant pour moi. Non, c'est présentiel, live, c'est du live du direct. Visio-vente, ouais. En visio-vente avec un client direct. Et après, oui. Tu utilises des vidéos préenregistrées que tu lui envoies, etc. Bon. Et après, tu reviens de nouveau en live. Je trouve ça absolument normal et super. Bruno, un avis sur les meilleures pratiques combinées d'ailleurs de vidéo, de live et de visio-vente direct? Je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Donc je suis OK avec tout ce qui a été dit. J'avais plus envie de dire un truc comme ça, parce que je crois qu'on arrive un peu à la fin, je ne sais pas, mais dans 8 minutes, on compte. Qui était dit, en fait, donc ce n'est pas tout à fait exactement ta question, mais en fait, quand je regarde les gens qui ont mis leur caméra, je vois que là, les gens qui viennent à Social Selling Forum, ils sont déjà assez aguerris. Enfin, je veux dire, tout le monde regarde à peu près la caméra, tout le monde est à peu près, prend une place à peu près bien dans l'écran, etc. À part peut-être Loïc Simon backup qu'on voit de dos, mais sinon tous les autres ils sont. Ah voilà, super. Donc on voit qu'on a, on est entre, on va dire entre personnes qui ont sans doute pas mal bossé cette pratique là. Mais la réalité, la réalité que je vois moi quand je travaille avec des commerciaux ou quand je fais moi-même mon commercial, etc. C'est quand même beaucoup de gens qui regardent pas la caméra, c'est beaucoup de gens qui sont pas visibles, c'est beaucoup de gens qui sont en contre-jour, c'est beaucoup de gens. Enfin c'est encore beaucoup. Ben voilà, je pense qu'il y a encore énormément de boulot à faire. Ça fait quand même plus d'un an qu'on est là-dessus. Et encore énormément de boulot à faire pour ne serait-ce que maîtriser quelque chose de correct, de pro, on va dire, en visio. Non, mais c'est compliqué de regarder quelquefois le webcam. Est-ce que je vais te répondre ? Vas-y. Eloïc, c'est ce que je vais te répondre, Bruno. Vas-y, je vais te dire, et tant mieux, parce que si tout le monde maîtrisait parfaitement tous ces aspects, tu n'aurais plus de taf, et si tout le monde était bon, et moi non plus, donc tant mieux. C'est tant mieux, il y a encore plein de choses à apprendre, il y a encore plein de perfectionnements à Ok. Bon, tu as quand même un problème, toi, aujourd'hui, de bande passante. Fais gaffe, hein. Ça va pas très, très bien. Tu vois, ça, c'est un des problèmes qu'on peut avoir à certains moments. Il faut vraiment baliser au maximum. Ouais. Et je pense qu'il n'y a que l'entraînement, c'est que l'entraînement quotidien qui permet, à un moment donné, effectivement, de ne pas faire comme ça tout le temps. Tu vois, par exemple, là, si je fais ça, parce que je regarde Ronan, qui est là, en train de se poser des questions, il est de NXO, il vient quelquefois ici. Et puis, pendant ce temps, vous voyez, je ne regarde pas ma caméra, donc ça fait un peu. Si je le fais trop longtemps, hein, ça va pas, quoi, comme ça, vous voyez. Ah, mais voilà. T'as un front magnifique, Loïc. Oui, j'ai un front magnifique. Alors, Jean-François, tu devais donne-nous un ou deux trucs avant ta keynote. Ne déflore pas tout ce que tu vas raconter dans ta keynote, mais donne-nous quelques bonnes pratiques vidéo, live et visio. Quelques trucs sur la visio, un truc tout simple. C'est juste rehausser l'ordinateur et la webcam, parce que le meilleur moyen de pouvoir regarder les gens en face, c'est d'avoir l'œilleton de la webcam à hauteur de nos yeux. Or, quand tu poses le PC sur une table devant toi, il est forcément plus bas. Du coup, ça fait un cadrage qu'on appelle le cadrage trou de narine, dont je reparlerai tout à l'heure, ou le cadrage plafond. Dès que vous voyez le plafond au-dessus de la tête de quelqu'un, c'est qu'il est dans cette configuration. Or, quand on parle à un client dans la vraie vie, c'est un des points qui a été cité très rapidement par Bruno tout à l'heure. C'est en visio, il faut avoir les pratiques de la vraie vie. C'est pas autre chose. C'est un autre média pour la même chose. Et donc, dans la vie, je regarde les gens dans les yeux avec mes yeux à peu près à leur hauteur. Sauf si tu es un petit peu grand, tu vas les regarder de quelques centimètres d'au-dessus ou un petit peu petit, un petit peu en dessous. Mais c'est globalement à la même hauteur. C'est pas je les regarde en retournant la tête en arrière et en me faisant filmer par les narines. Donc, un rehausseur de PC, ça coûte 30 balles. Mais quelqu'un qu'on n'a pas, je veux dire, tu prends une boîte à chaussures et du bon sens, vous voyez le mélange des deux. Une boîte à chaussures gratos et un peu de bon sens. Et puis, tu as résolu le problème à pas cher. Oui, alors c'est pas obligatoirement aussi évident, parce que si tu regardes ma configuration où j'ai mon écran ici, tu vois, hein, ben je peux pas mettre ce bel appareil photo exactement au bon endroit qui serait là. Hein. Donc c'est, faut arriver à trouver le système le moins mauvais, en tout cas pas comme ça. Hein. Il y en a qui sont tout le temps comme ça, hein. Voilà, parce qu'ils regardent leur truc ici et puis moi je suis là. Donc, non. Enfin, non, alors attendez, un deuxième truc, Loïc, voilà, un deuxième truc en réponse à ce que tu viens de dire. Moi je travaille aussi avec plusieurs écrans, etc. Dans ce cas-là c'est un peu plus difficile. Et dans ce cas-là, un deuxième truc qui lui est un truc à, je dirais, 29 euros. C'est acheter tout simplement un pied de caméra et tout de suite, tel que je vous parle, la caméra est
n'est pas du tout sur le PC. En fait, j'ai une caméra en face de moi qui est sur un pied à 39 balles que tu fixes sur ton bureau. Et du coup, tu mets la caméra exactement où tu veux. Et prenez attention à mon regard. Tiens, là, vous voyez, je regarde ma caméra. Là, je regarde mon PC. Là, je regarde la caméra. Là, je regarde le PC. Vous voyez à peine la différence. Pourquoi ? Bah, parce que la caméra est positionnée très près de l'écran du PC. Pas au-dessus, tellement à côté que ça se voit à peine. Et ça me permet à la fois de travailler sur le PC et à la fois de vous regarder dans le keynote de tout à l'heure. Vous verrez la manière dont je passe aux deux. Puis, il y a un deuxième PC qui est un petit peu plus éloigné, mais pas beaucoup. Vous voyez, là, je viens de passer au deuxième PC qui est de l'autre côté. Ça, c'est un pied de caméra qui permet de régler ça. Il y a quelques années, un commercial pouvait acheter 70 euros une chemise pour bien se présenter face à ses clients. Et aujourd'hui, il y a un truc qui paraît dingue, c'est que souvent, les gens sont extrêmement réticents à l'idée d'investir 30 euros pour bien se présenter aux clients en visio. Pourquoi est-ce que tu mettais 70 balles dans une chemise pour être bien présenté en live, et pourquoi tu ne mets pas 39 euros pour bien te présenter face à un client ? On dirait que les commerciaux d'aujourd'hui attendent que l'entreprise leur achète ces 39 euros, comme si en 1980, il y a un demi-siècle, on attendait que l'entreprise t'achète une chemise pour être propre face à un client. Ce truc-là est un des non-sens de notre monde. Merci. Alors, je vais demander à Bruno de faire la conclusion de cette première partie. On a encore une heure ensemble, un peu plus d'une heure. On va reparler des pires pratiques des commerciaux à éviter en visio, notamment, hein. Donc, on va y revenir hein, sur la vision et les craintes. Vas-y, Bruno, fais-nous une petite synthèse de cette première partie. Oui, moi, j'avais juste envie de dire, voilà, on va continuer sur les mauvaises et les bonnes pratiques, je pense, pour faire de la visio. Moi, je voulais juste insister sur le fait que, il faut y aller, quoi. Enfin, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, il faut y aller. Ceux qui n'iront pas sur le remote selling, à mon avis, ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux en tant que vendeur. Et que juste, si j'utilise le mot remote selling plutôt que visio, c'est volontaire, quoi. C'est parce que pour moi, c'est le remote, c'est un mix d'un certain nombre de médias, dont la visio. Mais quelque part, le téléphone en fait partie et le social selling, pour moi, en fait partie. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce terme-là qui d'ailleurs s'appellera peut-être, comme je disais, peut-être plutôt blended ou hybride, parce que maintenant, on est en train de revenir aussi. Mais quand on pourra se revoir sans les masques, je suis complètement en phase avec Jean-François là-dessus. C'est quand on pourra se revoir avec les masques, on fera peut-être du blended, on refera du blended. Oui, et d'ailleurs, le téléphone, Clubhouse et le social selling avec des textes, etc., que l'on fait sur LinkedIn, c'est aussi du remote selling. Hein. C'est dans tout le cycle de vente, on utilise différents outils en combo selling. Hein. Combo. Ok, merci beaucoup pour cette première partie. On va déjà applaudir nos amis pour la première fois, comme ça ils auront au moins été applaudis une fois, hein, on ne sait jamais après. Hein. Voilà, et on va continuer avec la deuxième keynote du jour par l'inénarrable Jean-François. Hey, Dominique, il est parti, Dominique Saul, il était avec nous il y a quelques instants. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Jean-François, comme Dominique et d'autres, je les remercie particulièrement parce que non seulement ils sont très... généreux dans le partage de leur expérience telle qu'ils le font, mais en plus Jean-François et Dominique et quelques autres dont Marie cofinancent en partie l'aventure du Social Selling Forum avec des espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui n'est pas toujours totalement idiot quand on est dans notre position. Voilà, merci beaucoup Jean-François et c'est à toi. Bien. Certains disent que le Covid a fait progresser l'usage des nouvelles technologies, a accéléré le digital. Personnellement, je ne crois pas du tout. Je pense qu'au mieux, le Covid a fait rattraper un retard crasse sur l'usage des nouvelles technos. Ça fait des années qu'on parle de numérique, de digital. Et on... C'est bon, vas-y, continue. La gestion des données. J'ai réussi, vas-y. Jean-François, excuse-moi, il faut que tu remettes. J'ai dû t'enlever le micro bêtement parce que j'essayais d'enlever le micro de Fabien Harel et puis chaque fois, ça me fait chaque fois le coup quand je veux lui enlever son micro à lui. Vas-y, recommence. Tu me l'as déjà fait. Ouais, hier en plus, vas-y. Et donc, reprends. Ceux d'entre nous qui avons bossé à l'international, les Visio, c'est un outil qu'on utilise depuis 2005, avant Skype. Et avec des outils, par exemple, un des outils qu'on utilisait le plus en 2005, c'était 3GSP, un outil web, un outil belge, parce que c'était trop onéreux de se déplacer, de prendre un avion chaque fois que tu faisais un rendez-vous avec un client. Donc, ces technos, elles marchent super bien
depuis 25 ans, un quart de siècle, et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, bah, les commerciaux ont été très résistants pendant ces années-là, et que finalement, c'est plutôt ça que le Covid a mis en évidence, le retard qu'on avait pris. Et ce qui est sûr, c'est que le Covid amène un rééquilibrage. Mon point n'est pas de dire qu'il n'y aura plus de rendez-vous en physique. Mon point, c'est de dire qu'il y a des choses qu'on fait mieux en physique et il y a des choses qu'on fait mieux en digital. Et dans les choses qu'on fait mieux en digital, elles sont liées notamment aux avantages de la visio. Et je ne dis pas qu'on fait tout mieux en visio que ce qu'on fait en physique. Ce n'est pas du tout ça mon point. Et notamment, on a abordé tout à l'heure, c'était un des points qui était en discussion dans le premier keynote, on a abordé les inconvénients du présentiel. Hein. J'en citais essentiellement trois, je ne vais pas les reciter maintenant. Les avantages du distanciel, pardon, les avantages de la visio, il y en a trois, il ne s'agit pas de les nier, c'est clair qu'il y a trois avantages. Mais en revanche, de l'autre côté, il y a trois inconvénients, pardon, et de l'autre côté, il y a une vingtaine d'avantages. J'en ai cité 9 tout à l'heure précisément, je n'ai pas cité les 20, j'en ai pas cité 10 comme je l'ai dit, je ne les reciterai pas pour ne pas faire de répétition, mais globalement, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et là, rares sont les commerciaux qui les perçoivent. Et quand vous demandez à un commercial quels sont les inconvénients d'une visio, alors ils sont tous dithyrambiques sur le sujet, et quand vous demandez à un commercial quels sont les avantages de la visio, eh bien, il y en a moins. Il n'y en a pas autant que d'inconvénients, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, par rapport à ça, il y a des réactions qui sont phénoménales. Par exemple, l'autre jour, je le citais, il y a un commercial d'une banque au mois de mars, c'est-à-dire après un mois de confinement, qui, quand je propose une visioconférence, c'était elle, la commerciale, hein, c'était elle qui me vendait un produit financier. Je lui dis, attendez, vous me parlez de chiffres, montrez-les-moi. Et elle me dit, oui, je vous proposerai bien, on était au téléphone, je vous proposerai bien, on pourrait faire un Times. Et ça m'a fait marrer parce que ça m'a fait penser à Time's Up, le jeu, quoi. Mais c'est pour montrer le niveau d'une commerciale qui est dans une banque, une des plus grosses banques en France, avec un niveau de recrutement élevé. C'est pour montrer quand même le retard qu'on a pris par rapport à ça. Alors, tout à l'heure, Bruno a expliqué ce qu'il ne faut pas faire. Stéphane nous a dit, mais la question, elle ne se pose plus. Il faut le faire, il n'y a plus de questions. Mais s'il reste une question, c'est une fois qu'on a dit ça, qui est de l'incantation, de dire bah, faites des visios, et puis alors bien sûr, vous branchez votre caméra, puis vous n'avez pas de problème de son, puis vous n'avez pas de problème de connexion, etc. La question, c'est en vrai, pour de vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le genre de visio auquel sont soumis 90% des clients? Et il ne faut pas se mentir, c'est dans 90% des cas, dans les 30 premières secondes, t'en as un qui dit « je ne vais pas mettre ma caméra pour une raison X ou Y ». Dans les 30 premières secondes, t'en as un qui essaye de parler, il n'a pas de son, parce qu'il n'a pas branché le micro, parce que le micro ne marche pas, etc. La chose, l'outil que les commerciaux ont le plus utilisé depuis un an, ce n'est pas du tout la visioconférence, c'est le téléphone, une invention de 1876, tu te rends compte. Et là-dedans, eh bien, vous avez l'habitude, parce que je l'ai montré déjà plusieurs fois, mais juste pour mémoire, pour bien qu'on soit d'accord sur le point de départ actuel, je n'ai pas sélectionné des choses spécifiques, j'ai pris ce que tu vois tous les jours, tout le temps. La seule chose que j'ai fait, tous les exemples que vous allez voir sont vrais, la seule chose que j'ai fait, c'est mettre des avatars parce que je veux stigmatiser personne et que, en fait, tout le monde fait ça. En tout cas, l'immense, la plus grande majorité. C'est au-delà d'utiliser le téléphone, vous avez une erreur extrêmement fréquente, c'est les commerciaux qui réduisent par 3 leur visage alors que déjà, tu es sur une petite vignette en visio. Alors, pourquoi ils réduisent par 3 le visage? Simplement parce qu'ils ont mis l'iPhone ou le smartphone au format vertical alors qu'il suffisait de le mettre au format paysage. Mais regardez bien les surfaces, c'est pas tu perds 10%, c'est pas tu perds 50%, c'est tu divises la taille de l'image par 3 pour pas avoir juste tourné le bazar à 90 degrés. Vous avez dans les erreurs, la plus fréquente, c'est le cadrage trou de narine ou plafond parce qu'on a donc le PC trop bas, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez les gens qui sont noyés dans l'arrière-plan, tu ne les vois pas tellement c'est le bordel derrière. Vous avez ceux qui pensent que mettre un arrière-plan rigolo, ça va rendre la visio moins chiante. Mais si tu as besoin de mettre un arrière-plan rigolo pour que ta visio soit pas chiante, c'est qu'elle est très chiante. Hein. Ce n'est pas un problème d'arrière-plan le truc.
Vous avez ceux qui s'habillent n'importe comment. Vous avez ceux qui ont mis des lunettes et qui ont... La raison technique, c'est que tu n'as pas assez d'éclairage dans la pièce et l'éclairage principal, c'est le PC. Du coup, il reflète dans les lunettes. Vous avez ceux qui s'habillent comme Coluche parce que, je ne sais pas, c'est rigolo. Et dans les gens comme ça qui s'habillent comme Coluche, vous en avez plus que ce qu'on croit. Vous avez ceux qui sont dans le noir. Vous avez ceux qui sont réduits à la taille d'une fourmi dans l'herbe avec des oreilles en moins. C'est totalement ridicule et ce n'est pas moins ridicule que d'être en train de survoler New York ou d'être dans un décor psychédélique parce que tu es un geek et que tu sais le faire marcher. Vous avez donc ceux qui ont perdu des bouts de corps, des bouts d'oreilles, des bouts de cheveux parce qu'ils ont utilisé le détourage pourri de Teams et Zoom. Vous avez ceux qui sont cadrés trop haut. Vous avez ceux qui sont cadrés par le haut. Vous avez ceux qui sont cadrés trop bas. Vous avez ceux qui sont avec un arrière-plan où il y a des trucs écrits, mais leur tête, elle cache le truc écrit, du coup, tu ne peux pas le lire. Vous avez ceux qui ont l'arrière-plan, mais il est à l'envers parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un bouton inversé l'arrière-plan. Vous avez les problèmes de couleur plus fréquents. On a vu tout à l'heure à Bruno qui avait un problème avec le rouge, d'autres avec un problème avec du jaune. Toutes ces choses-là, elles se règlent super facilement aujourd'hui. Vous avez ceux qui vous balancent des slides pourris, qui sont chiants comme la mort, que dès que je vous en balance un comme ça, soit vous amusez à lire et vous arrêtez de m'écouter, soit vous m'écoutez, vous ne pouvez pas lire. Et c'est ça aujourd'hui les visios. Et à ça, je devrais également rajouter l'importance des sociétés, parce que là, j'ai montré des erreurs de commerciaux pas formés, qui ne maîtrisent pas les techniques, etc. Mais par exemple, dans les sociétés aujourd'hui, pour rebondir sur ce que Loïc a dit tout à l'heure, vous avez des logiciels qui marchent bien. Dans l'ordre, 1, Zoom, 2, Teams, 3, WebEx, 4, les autres. Pourquoi ne pas prendre celui qui marche le mieux ? Pourquoi prendre dans les grosses entreprises, on va privilégier WebEx qui a rattrapé une partie du retard pendant le Covid, mais qui ne l'a pas rattrapé complètement. Quand on utilise les trois plateformes, quand tu es commercial, tu es bien obligé de t'adapter à la plateforme du client. Donc, on doit savoir toutes les maîtriser. Et quand tu les maîtrises toutes, tu t'aperçois qu'il y en a quand même une qui marche un petit peu mieux que les autres. Et celle-là, elle s'appelle Zoom. Teams est très, très proche de Zoom aujourd'hui. Et WebEx, c'est un peu à la traîne. Vous avez des boîtes qui utilisent des VPN et Citrix et ce genre de facéties. Mais ce sont des ennemis de la visioconférence. Et donc, non seulement on ne prévient pas les commerciaux qu'il faut couper ça, qu'il faut que leurs clients coupent aussi, mais même on leur demande de ne pas le retirer. Mais comment tu fais quand pour faire une visio quand tu as un VPN et Citrix qui te plombe la bande passante? Et finalement, quand on parle tout à l'heure, c'est Nicolas, je crois, qui a utilisé le terme de web fatigue. Et une des expressions qu'on voit le plus, c'est « j'en ai marre des visios ». Là, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que les gens n'ont pas marre des visios. Ils en ont marre des visios pourris auxquels on les expose, quoi. C'est surtout ça le truc. Et la faute à qui ? La faute même aux entreprises de formation. Parce qu'il faut reconnaître que les entreprises de formation sont fautives. Vous avez celles qui ont fait des formations à la visio, mais qui en fait ont juste décalé un petit peu leur formation de vente, qui ont dit pour être bon en visio, en fait, il faut appliquer une bonne éloquence. L'éloquence, c'est ce qui va rendre le commercial performant par le choix de ses mots et son non-verbal. Il faut être pertinent, dire des choses intelligentes. Il faut avoir de la conviction, croire à ce qu'on dit. Il faut être exigeant, c'est-à-dire savoir demander au client des efforts, qui est la définition de la vente. Ouais, mais ça, ce n'est pas spécifique au visio. Il fallait le faire avant et il faut continuer à le faire en visio. Vous avez ceux qui sont plus branchés communication orale. Alors eux, ils vont vous dire ce qui compte, c'est l'enthousiasme, c'est le sourire, c'est le regard, c'est regarder la caméra et pas l'écran, c'est l'énergie. D'accord ? Mais avant, tu regardais déjà les clients dans les yeux. Donc, tout ça, ça ne change pas en fait. Et puis, vous avez ceux qui vont dire, bah, allez, c'est le non-verbal, c'est les gestes parasites qu'il faut éviter. Par exemple, en visio, il ne faut pas que vous parliez avec le geste devant les mains. En visio, il faut avoir une bonne gestuelle, de vous à moi. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en reparler tout à l'heure. Mais si vous voulez une bonne gestuelle, déjà, il ne faut pas faire des visios assis. Parce que quand vous êtes assis, votre corps devient amorphe et votre voix suit. Qu'est-ce qui fait quand vous écoutez des gens qui ont une bonne énergie, qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus d'énergie ? C'est qu'en fait, ils sont debout. Et voyez, moi, je ne suis pas assis parce que ce qui donne de l'énergie à ma voix, c'est mes gestes. Et si j'avais une table devant moi, eh bien, je n'aurais pas les mêmes gestes. Il faut du rythme, il faut du ton, etc. Mais tout ça n'est pas spécifique à la visio. Tout ça, c'est ce que j'appelle les conseils à Mickey. D'abord, parce que vous voyez que c'est une forme de Mickey, ce genre de conseil. Et au-delà du truc, bah, c'est le vrai point commun avec Mickey Mouse sur ce genre de conseils pour former des gens à faire de la visio, c'est que c'est sympa, c'est déjà vu, et c'est un petit peu désuet, vous voyez, comme Mickey.
Et donc, moi, ce que je vais vous proposer pendant cette visio au moins, c'est d'aborder vraiment qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'utilisation de cet outil qui s'appelle une visioconférence quand il s'agit d'en venir à la vente. Et il y a 5 choses qui sont spécifiques quand on utilise une visio en vente. Il y a une première donne qui est de l'ordre de la technique, du son, de la voix et de l'image. Et vous voyez bien, quand on a un mauvais son, eh bien, la visio, elle est beaucoup moins agréable. Il y a un deuxième point qui est comment est-ce que le vendeur apparaît face au client? Quel est notre look, notre voilà, à quoi on ressemble? La troisième chose, c'est quels sont les visuels auxquels on soumet notre client, les visuels qu'on partage derrière nous. La quatrième chose, c'est quel est notre mode de communication. Le premier axiome de la communication, c'est de la communication multimédia, c'est qu'elle associe oral et visuel. Et que oral et visuel, bah, c'est mieux que visuel seul, quand je vous projette un truc. Et c'est mieux que oral seul, si je suis une bouche qui parle pendant une heure ou si je suis au téléphone. Donc, comment est-ce qu'on associe et comment est-ce qu'on rythme ces choses-là? Le cinquième point, il est sur la préparation. Alors, je vais essayer de vous donner des choses utiles avec lesquelles vous allez repartir tout à l'heure et qui vous seront utiles. Et puis, ceux que je n'ai pas le temps d'aborder, dans la zone de débat, de questions-réponses tout à l'heure, vous me les demanderez. Et puis, si d'autres veulent apporter des points que je n'ai pas eu le temps d'apporter ici, vous serez bien sûr les bienvenus. D'abord, une question à laquelle je vais vous demander de répondre dans le chat. Quel est pour vous le truc le plus important dans la technique en visio? Vous avez plein de choses qui sont importantes. Il y a la manière dont je suis habillé, il y a l'éclairage, il y a la webcam, il y a etc., etc. Pour vous, dans ce champ, dans ce premier volet qu'on aborde, qui est plutôt de l'ordre de la technique, quel est le truc le plus important? Alors, les trois premières réponses sont très conjointes. C'est le son, la voix, c'est toujours ça, le son, etc. Et vous avez raison, c'est le son le plus important. Si l'image est floue, c'est pas très très grave. En revanche, le son, il doit être bon. Alors, il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que, bien sûr, que le son, c'est une question de réseau. Mais le son, il ne demande pas un réseau très très élevé. Ça veut dire qu'on peut animer des visioconférences. Ouais, on peut les animer en 4G. Et là, vous voyez tout de suite, je suis en 4G. Et pourtant, vous devez avoir un bon son. Pourquoi je suis en 4G? Parce que la DSL, eh bien, il est pourri là où je suis. Et donc, je vais avoir plus de performance avec la 4G. Et donc, ce n'est pas la performance de votre connexion qui détermine la visio. C'est le fait de savoir optimiser votre connexion. Alors ici, vous voyez, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut apprendre à la mesurer. Je vous ai mis un site, desgroupetest.com, mais il y en a plein. Il faut apprendre à mesurer votre connexion. Et avant de démarrer, vous devez savoir si vous êtes dans le rouge, dans le orange ou dans le vert. Si vous êtes dans le vert, vous n'avez pas beaucoup de soucis. Si vous êtes dans le rouge, il faut faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que votre visio sera pourrie. Ça veut dire qu'elle sera pourrie si vous n'optimisez pas la connexion. Et là, quand on parle d'optimiser la connexion, la majorité des commerciaux, ils disent quoi? Ça veut dire quoi optimiser la connexion? Ils ouvrent des yeux ronds comme un bœuf. Ça veut dire quoi optimiser une connexion? Bah, optimiser une connexion, il y a du hard et il y a du soft. Sur le hard, c'est super simple. Le principe, c'est plus vous êtes éloigné de votre box, moins ça passe. Donc, il faut faire quelque chose si on est loin de la box. La première chose, la plus simple, ce n'est pas le CPL qui s'est affiché, c'est une erreur de slide, c'est ce qui est affiché en droite. Un câble RJ45, ça coûte en 20 mètres, ça coûte 9 euros. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui à avoir un mauvais Wi-Fi parce qu'on est à chaille de la box. 9 euros un câble. Bon, vous n'aimez pas les câbles, vous ne voulez pas percer le plafond, etc. Il y a une deuxième solution qui est effectivement le CPL. Vous passez par le réseau électrique. Donc, c'est un petit appareil que vous branchez de votre box à la prise de courant qui est à côté de la box. Et vous avez l'appareil correspondant à l'arrivée sur votre ordinateur. Et du coup, la box est branchée dans cet appareil là où elle est. Et votre ordinateur est branché sur la prise de l'autre côté. En bleu, c'est des connexions RJ45. En rouge, c'est simplement la connexion de votre réseau. Et puis, la dernière chose, c'est un répéteur, donc qui va répéter le réseau Wi-Fi pour pas qu'il tombe. Ces solutions, elles vont de 9 à 100 euros. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour pas avoir déjà une bonne solution. Simplement, celle-ci, il faut s'y prendre 10 jours avant, le temps de commander, etc. Et alors après, il y a des choses qu'il faut faire, mais absolument tous les jours, avant chaque connexion. Une visio, comme un rendez-vous, elle commence avant. Elle commence pas 5 minutes avant. Elle commence 30 minutes avant, parce que 30 minutes avant, il y a un certain nombre de choses à faire, comme par exemple
Sans doute la première chose à faire, c'est vous redémarrez votre box pour vider la mémoire tampon de la box. Vous redémarrez votre ordinateur, pareil, pour vider sa mémoire cache, etc. Ensuite, vous éteignez, si vous êtes en Wi-Fi, que vous n'avez pas de câble, et bien vous éteignez tous les appareils autour. Il y a plein de gens qui font des visions en Wi-Fi, ils ont leur téléphone en Wi-Fi à côté. C'est pas absurde, ça? Et le téléphone en Wi-Fi, tu crois qu'il prend la bande passante où? Sur celle de ton PC. Donc, ça peut pas marcher. Mais également, les appareils mobiles des autres gens qui sont autour de nous. Il faut fermer toutes les applications consommatrices de bande passante sur notre PC, à commencer par la messagerie, mais également le navigateur Internet. Et exemple vécu, il n'y a pas extrêmement longtemps, j'ai un client qui avait vraiment une mauvaise connexion et je fais donc cette checklist avec lui. Alors, quand on est en visio, si on attend que la visio ait démarré, attention, les deux premiers, on ne peut plus les faire, c'est trop tard. Il fallait lui dire avant. En revanche, on reprend la checklist à partir du 3, on lui dit bah, « Très bien, monsieur, est-ce que vous avez votre mobile allumé à côté de vous ?»« Oui, bah, je vais vous demander de l'éteindre, vous allez récupérer de la bande passante. »« Est-ce que vous avez des onglets ouverts dans votre navigateur Internet ?» Le mec me dit « Ouais ». Je lui dis « Combien ?» Le mec me dit « Oh là là, je ne peux pas compter. Moi, mon ordinateur, je le laisse ouvert toute la semaine. Les onglets sont tellement petits, tellement j'en ai ouvert, je vois que les croix. Je ne peux pas les compter. Il y en a 60, 90, 120, je ne sais pas. » Et comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne si les gens ont leur PC dans cet état-là? Et puis, bien sûr, il ne faut pas utiliser de VPN, de logiciels d'un autre monde, du temps où les DSI n'avaient pas compris le web, qui s'appelle Citrix, etc. Bref, il faut que vous ayez une bonne connexion. Et puis, c'est un leurre d'imaginer pouvoir avoir un bon son si vous n'avez pas un micro ou mieux un casque. C'est pas juste pour être vilain ou ressembler à des pilotes d'avion qu'on s'embête à avoir des casques comme ça. C'est parce que quand on fait beaucoup de visio, on a besoin d'un bon son. Et nos clients, même s'ils n'en font pas beaucoup, ils ont besoin d'un bon micro. Je peux vous dire, on pourrait faire l'expérience, là j'ai personne à côté de moi, mais on pourrait faire parler quelqu'un à côté de ma tête, ici. Eh bien, vous ne l'entendriez pas. Pourquoi? Parce que le micro ne capte que le son de ma voix. Et ça vous évite tous mes bruits parasites. Et puis, le son, il a besoin de volume, et c'est pour ça que les écouteurs sont épais. Le son a besoin de volume. Or, un PC, c'est fait pour être le plus plat possible. Donc, vous êtes sûr que vous avez un son pourri. Et tout ce que je viens de raconter là est vrai pour vous, comme pour les clients, est vrai pour le commercial, comme pour le client. Ça veut dire que quand on fait une visio, il faut expliquer ça au client dès l'invitation. Alors, on peut soit lui envoyer ce genre de document, vous voyez, qui regroupe trois trucs, c'est comment ils s'installent dans la salle selon le nombre où ils sont, quel est le matériel qu'il faut qu'ils aient pour bénéficier d'un bon son, et puis quels sont les éléments d'optimisation. Vous le voyez peut-être en petit, mais sinon, vous pouvez le retrouver sur notre site web. Vous trouvez les éléments qu'on lui préconise pour, un, optimiser sa connexion, et puis ensuite, quelques consignes pendant. Le mieux, bien sûr, c'est d'avoir ça sur votre site web, ce qui fait que quand vous invitez les clients à une visio, vous leur mettez un lien et ils ont accès à ça. Et dans l'invitation, on leur dit « Attention, la qualité de la visio, elle ne dépend pas de moi. Elle dépend du plus faible de nous deux. Comme une chaîne, ça casse par le maillon le plus faible. Ne soyez pas celle-là. Voilà quelques indications qui vont vous permettre et nous permettre de faire une visio qui se passe bien. » Voilà quelques préconisation technique, et la responsabilité de l'entreprise pour les grosses entreprises, c'est de fournir ces instructions qu'on envoie aux clients et de les mettre sur le site web. Et si vous êtes auto-entrepreneur ou une petite entreprise, eh bien, il faut que vous fabriquiez ça et envoyez ça aux clients à chaque fois. Et puis, se l'appliquer, le commercial doit faire cette checklist avant pour être sûr qu'il aura une bonne connexion. Deuxième point, c'est comment est-ce que le client nous voit, nous vendeurs? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la lumière est extrêmement importante. Vous voyez à gauche une même commerciale sans lumière et à droite avec éclairage. Sans faire de jeu de mots idiots, vous voyez qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est mieux à droite que à gauche. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être plutôt comme à droite et pas comme à gauche? Bien sûr, c'est une histoire d'éclairage, mais il ne faut pas mettre une lampe comme font la majorité des gens en vrai et comme vendent certains accessoires qui sont une lampe qu'on t'envoie en face de toi. Pourquoi? Parce que quand tu as une lampe en face de toi, ça éclaire autant la partie droite que la partie gauche. Regardez bien mon visage, il a du relief. Pourquoi il a du relief? Parce que j'ai deux lampes, une plus éclairée et une moins éclairée. Et donc, au lieu d'avoir un visage qui est aplati comme sur une photo d'identité, ça donne une chance que le visage soit un petit peu plus vivant parce qu'il a du relief. Donc, l'astuce, bah, elle est super simple. C'est vous mettez une lampe à droite, une lampe à gauche.
des éclairages de telle sorte que vous en ayez pour moins de 60 euros. Ce qui est bien, c'est prendre ce genre d'éclairage. Ici, je suis allé chercher le premier. Vous tapez sur Amazon, lampe de bureau, vous allez trouver ce genre de choses. Essayez juste qu'il y ait deux réglages. Un réglage d'intensité, elle éclaire plus ou moins fort. Et un éclairage de tonalité, elle éclaire plus ou moins blanc ou plus ou moins orange. Plus elle éclaire blanc, plus vous allez avoir l'air malade. Plus elle éclaire orange, plus vous aurez l'air en bonne santé. Deuxième erreur classique sur la manière dont les clients nous voient, donc c'est le cadrage trou de nez. Regardez-vous quand vous êtes en visio et voyez que vous ne voyez pas mes narines. Ce n'est pas parce que j'ai un nez plus long, c'est simplement parce que j'ai la caméra qui est vraiment à hauteur de mes yeux. Donc, si vous voyez vos narines, vous savez que votre PC il est trop bas, il faut le remonter. Également, si vous voyez le plafond derrière vous, c'est que la caméra elle vous filme par en dessous. Et donc, il est l'heure de faire quelque chose. Alors, le quelque chose à faire, il est extrêmement simple. Ça vient de ça, l'éclairage trou de narine. Pardon. Ça vient de ça. Donc, le PC est trop bas parce qu'il est posé sur la table. Et la solution, vous mettez un petit rehausseur pour remettre l'œilleton de la caméra à hauteur de vos yeux. Et ça vous résout le problème. Un rehausseur, ça ressemble à ça. Et ça coûte 30 euros. C'est livré en 48 heures ou en 24 heures sur les sites que vous connaissez. Autre problème dans la manière dont les clients nous perçoivent, c'est le fait qu'on perde des morceaux. Vous voyez que le garçon derrière moi, il a perdu des bouts de casse, des bouts de cheveux. À nouveau, je vous le dis, j'ai mis des avatars, mais tous les exemples sont vrais. C'est que des exemples filmés depuis janvier, donc extrêmement récents. Ça vient des fonctionnalités pourries de détourage de Zoom et de Teams. Il faut arrêter d'utiliser ces fonctions de détourage, elles sont pourries. Il n'y a pas de miracle. Pour avoir un bon détourage, il faut avoir un bon matériel. Et l'idée d'appuyer sur un bouton sur un logiciel et d'avoir un bon détourage, elle serait formidable si elle existait, mais elle n'existe pas. Et il vaut mieux avoir un arrière-plan naturel et avoir toutes vos oreilles, vos cheveux et vos accessoires plutôt qu'un arrière-plan artificiel et avoir perdu un bout de vous-même. Vous êtes quand même plus important que l'arrière-plan qui est derrière vous. Alors, ça donne ce genre de truc, c'est-à-dire il y a du blanc qui apparaît entre le visage et le casque quand on a un mauvais détourage. Vous voyez que sur ma vraie visage qui est là, derrière c'est un screenshot, ça ne le fait pas. Il y a donc un truc pour que ça détoure bien. Le fait de mettre des arrière-plans fantaisistes ne résout pas le truc. Si vous n'avez pas de détourage du tout, bah vous ne pouvez pas être en surimpression par rapport à un écran derrière, ça ne marche pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est super simple, ça coûte 20 euros, pas plus. C'est vous rajoutez un écran vert derrière vous. L'écran vert, il coûte 20 euros, ça s'appelle un chroma key. Et éventuellement, vous rajoutez 20 euros, ça va être une lampe dos à vous. La lampe, elle est dans votre dos et elle éclaire l'écran vert. Et de même qu'on achetait, jusqu'à avant le Covid, tous les commerciaux étaient capables d'acheter, de mettre 70 euros dans une chemise pour être propre vis-à-vis de leurs clients. Eh bien, aujourd'hui, ce serait inconcevable qu'on ne mette pas 70 euros pour essayer d'avoir un équipement, ne serait-ce que minimum, une chemise propre, correcte face à un client. Ce n'est pas le grand luxe, c'est le minimum. Eh bien, là, avoir deux lampes devant soi, une à droite, une à gauche, avoir une lampe derrière soi qui permet de se détourer. Pourquoi se détourer? Parce qu'en fait, un commercial va céder à plusieurs moments dans un rendez-vous, notamment les rendez-vous numéro 2, pas la prise de brief, celui où on influence le client. Les visuels nous aident à quatre choses. Les visuels, ils vont nous aider à faire mémoriser des choses. Ils vont nous aider à faire comprendre, comme je le fais là, avec ce genre d'animation qui vous aide à comprendre ce qu'il faut faire. Un schéma vaut 1000 mots. C'est 10 fois plus facile d'expliquer avec un schéma. Certains visuels permettent également d'influencer. Et donc, pouvoir avoir des visuels en même temps qu'on parle au client est un élément essentiel de l'influence. Or, le métier du commercial, c'est influencer. Et vous ne serez jamais autant influent que quand vous serez à certains moments, vous, avec les slides qui permettent cette influence, et à d'autres moments, de pouvoir les couper et de pouvoir parler aux gens en les regardant dans les yeux, parce qu'à ce moment-là, le plus important, c'est les regarder. Il n'y a plus rien à expliquer parce que c'était expliqué avant. C'est cette alternance-là dont je reparlerai en fin de keynote qui est importante. Alors, pour faire ça, donc, voilà le principe. Hein. De haut, vous avez votre bureau avec vos deux lampes à 60 balles. Vous mettez un chroma key à 20 euros derrière. Ça se plie, ça se replie comme vous voulez. Vous mettez un éclairage, dos à vous, qui éclaire le chroma key. Un éclairage, cette fois-ci, il n'a pas besoin de réglage d'intensité, etc. À 15 balles, ça va faire le job. Et dernière chose,
pour faire ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux très facilement apparaître et disparaître devant les écrans. Souvent, les gens nous demandent comment on fait ça. Et ça, c'est particulièrement effrayant. C'est en 2021, je le redis, souvent, les gens nous demandent comment on fait ça. Les technos, elles existent depuis 10 ans. Le commercial, la fonction commerciale, vous voyez, c'est le seul métier où tu mets 10 ans pour intégrer une nouvelle technologie. Mais c'est ça la réalité. C'est quand les CRM sont apparus en 1990, pendant 10 ans, les commerciaux ont fait chier la planète entière. Et moi, je me mets dedans. J'étais un commercial à cette époque-là pour dire les CRM, ça fait, c'est du flicage, etc., etc. Et chaque fois qu'il y a une innovation, la fonction commerciale, c'est la seule qui met 10 ans au lieu de dire c'est génial, j'ai un nouveau truc, qui va dire putain non, ça fait chier, je ne veux pas l'utiliser. Alors, je vais vous montrer le truc qui existe depuis 10 ans. C'est pour faire ça, c'est-à-dire arriver à afficher à volonté des écrans derrière soi et avoir des niveaux de zoom. Vous voyez, je peux dézoomer comme ça, rezoomer, afficher, éteindre, etc. Il vous faut un petit logiciel. Ce logiciel, il permet de gérer des couches. Voilà les couches qui sont gérées. Il y a une première couche, c'est moi en vidéo. C'est ma webcam, donc il y a une deuxième couche, c'est une image. En l'occurrence, c'est un bureau qui a un écran percé, qui n'a pas un écran de télé, comme vous le croyez depuis le début, il a un écran percé. Derrière, il y a un PowerPoint qui défile. Et puis derrière, il y a une image JPEG qui est simplement noire. Alors, je peux changer le PowerPoint, je peux mettre un Excel, je peux mettre un site web, je peux mettre tout ce que je veux. Puis, je peux le retirer. Quand je le retire, bah, vous voyez que l'écran noir, vous avez l'impression que c'est éteint. Alors, comment on retire ça? Bah, on a un logiciel dans lequel il y a des couches. Vous les voyez en bas, ça s'appelle des sources, elles sont là, et en appuyant sur les petits boutons, eh bien, on va simplement les éteindre, les allumer, etc. Et donc, je peux, par exemple, ici, avoir une source qui est ma fenêtre PowerPoint et faire apparaître le PowerPoint. Et alors, finalement, ce logiciel va intégrer une caméra virtuelle. La caméra virtuelle va filmer ces couches successives en une seule. Et ce que vous voyez depuis tout à l'heure, ce que je projette, ce n'est pas ma webcam, ma brio, etc. C'est la caméra virtuelle qui additionne la couche webcam, la couche PowerPoint, la couche arrière-plan. Voilà une liste de logiciels si vous voulez vous faire un screenshot. Open Broadcaster Software, XSplit, Streamlabs, Broadcast, Wirecast, VMix qui est sans doute mon préféré. Et vous pouvez en utiliser des gratuits là-dedans. Celui que j'utilise aujourd'hui, ce n'est pas mon préféré. C'est justement le premier qui est un logiciel gratuit. En fait, on pourrait résumer ça de la même manière. La fonction commerciale a très peu évolué au fil des années. Vous avez une invention majeure qui est, que je n'ai pas mis sur cet écran-là, qui est l'invention du social selling. Le social selling a été inventé au moment de la Rome antique avec le marché romain, parce que le marché où les gens allaient pour acheter, eh bien, un outil de vente, il y a bien du selling hein, sur un marché, il y a des vendeurs qui vendent, mais on y va pour socialiser. C'était 50 ans avant Jésus-Christ, c'est l'invention du social selling. Ce qu'on appelle social selling aujourd'hui, c'est que la version portée sur le web. Vous avez eu ensuite, en 350 ans, les Grecs qui ont inventé le storytelling, que très peu de commerciaux utilisent, que tout le monde confond avec le telling stories, qui consiste à raconter des histoires et des anecdotes. Vous avez eu l'invention du téléphone en 1876. Alors, celui-ci, c'est bon. Là, depuis un an, c'est l'outil que les commerciaux ont le plus utilisé. En 1960, vous avez eu l'invention de l'R16 qui permettait au VRP d'être proche de ses clients avec ses parapluies à vendre. En 1990, vous avez eu l'invention de l'ordinateur avec deux outils majeurs, l'un qui est le CRM et deux, le web à l'intérieur, où bien sûr aujourd'hui, le commercial doit intégrer ces deux outils-là, CRM et web avec les réseaux sociaux qui vont avec. Et puis aujourd'hui, en 2020, eh bien, les commerciaux ils doivent intégrer un truc qui s'appelle une caméra virtuelle avec un arrière-plan, etc. Et ils mettent 70 euros, comme il y a quelques années, on mettait 70 balles dans une chemise. Voilà ce point sur comment est-ce que le client vous voit. Mon quatrième point, c'est sur les visuels qu'on partage. Qu'est-ce qu'on diffuse à nos clients derrière ? Je ne suis pas le seul à diffuser le genre de truc que vous voyez derrière moi, mais on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup, pourquoi ? Parce que
En 2001, le monde souffrait d'un truc qui était la mauvaise utilisation de PowerPoint, que plusieurs appelaient la mort par PowerPoint. C'est une expression qui vient de Seth Godin, l'ex-directeur marketing de Yahoo, qui a appelé ça « Death by PowerPoint » en 2001. Et on s'aperçoit que 25 ans après, putain, un quart de siècle après, bah, ça n'a pas changé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de la mort en visio par PowerPoint à diffuser des PowerPoint pourris avec du texte à lire, et une photo qui est faite pour faire semblant que le texte il est sympa et intéressant. Ce truc-là ne fonctionne pas. Ça génère deux types d'erreurs. Alors, vous avez une première erreur, c'est le gars qui disparaît derrière ses slides. Et la deuxième erreur, c'est le démarrage en mode édition. Alors, ça donne ça, hein, je me pousse, vous avez le gars, il est à droite, on ne le voit quasiment pas. Et le PowerPoint, il est en mode édition. Ça veut dire qu'à gauche, vous voyez tous les slides qui vont suivre. Le deuxième point, ça vient juste de ne pas utiliser Ctrl Escape. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils se mettent en mode diaporama et là, ils ne sont pas dans la visio. Donc, pour retourner dans la visio, ils font Escape pour retirer le mode diaporama, ils vont dans la visio et quand ils partagent l'écran, tu arrives sur le PowerPoint en mode fabrication. Il suffisait de faire Ctrl Escape dans ton mode diaporama, tu as la barre de menu qui va arriver en dessous de l'écran, ou commande Escape si vous êtes sur Mac, et puis tu retournes dans la visio et ça résout le problème. Mais surtout, le problème, c'est l'excès de texte. En fait, regardez, jamais depuis le début de ce keynote, je vous ai diffusé un slide comme ça. Pourquoi? Parce que vous lisez à 450 mots minute. Et donc, vous allez finir de le lire avant que j'ai fini d'expliquer le petit 1. Et ensuite, l'être humain est incapable de faire deux tâches à la fois, contrairement à ce qu'on vous a dit. C'est la première chose qu'apprend un pilote d'avion. C'est on bosse en séquentiel. Il faut faire les tâches les unes après les autres. Et donc, le cerveau est totalement incapable de lire à 400 mots minute ce qui est derrière moi et de m'écouter, moi qui parle à 100 mots minute. Il fera ou l'un ou l'autre. Et faire les deux à la fois, c'est absurde. C'est-à-dire que si vous choisissez de m'écouter, alors à quoi ça servait que j'affiche un slide pourri que vous ne lisez pas? Il valait mieux que je me mette comme ça et que vous m'écoutiez vraiment. Et si vous préférez lire le slide, à quoi ça sert que je le présente en synchrone? Il valait mieux l'envoyer en PDF ou le mettre en asynchrone sur le web. La quatrième chose, c'est rajouter des photos qui apportent rien, qui sont faites là pour dire mon slide, il est moins chiant. Ben non, il est aussi chiant ton slide. Et à la fin, ça finit souvent avec merci de votre attention. Moi, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Quand on te fait chier pendant toute une visio à te mettre des slides pourris, et à la fin, on te dit merci. Attends, si tu fais attention à moi, tu ne me mets pas des slides pourris comme ça dans le visage pendant une heure. Alors voilà des vrais slides que je vous montre. Regardez bien ce qui se passe, il y aurait une question à la suite. C'est une vraie organisation qui présente sa société avec tout le monde présente la même chose. Hein. Vous changez juste les logos et vous avez à peu près ce que racontent tous les commerciaux de la planète en présentant leur société. Ce qui est magnifique avec PowerPoint, c'est l'autofit, donc ça réduit les polices, ce qui fait que quand tu as encore plus de trucs à mettre, tu peux le mettre encore, ça réduit les polices, tu peux le mettre. Tu peux faire des schémas complètement illisibles, complètement incompréhensibles. Voilà le genre de choses que les gens diffusent avec des cartes de la France. Vous avez des tableaux sans fin. Et maintenant, ma question, c'est est-ce que quelqu'un a repéré dans ces slides quelque chose d'absolument incroyable? Moi, j'ai repéré qu'il faut que tu termines là maintenant, bientôt. J'ai repéré le nom de la société qui n'était pas caché. Enfin bon. Oh, ça aurait pu être n'importe quel autre. Regardez bien. En fait, ces slides-là, on les utilise souvent en formation, mais jamais personne ne trouve. Lisez ce qui est marqué à gauche. Deuxième ligne, que la force soit avec vous, etc. En fait, c'est des citations de Yoda dans Star Wars et jamais personne ne les a vues quand on a fait la présentation de la société avec ça. C'est pour montrer qu'en fait, ces slides-là, personne ne les lit. En fait, ici, vous voyez un slide qui a été utilisé dans le PowerPoint. En l'occurrence, c'est un keynote, mais keynote et PowerPoint, ça marche de la même manière. Le plus vu au monde, c'est une présentation incroyable de Al Gore qui s'appelle « An Uncovenant Truth », une vérité qui dérange. Et vous voyez qu'ici, il a un slide dans lequel il y a tous les pays du monde. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, il dit « Tous les pays du monde ont ratifié les accords de Kyoto, sauf deux, les US et l'Australie. » Vous comprenez bien que l'objet, quand on met un slide comme ça, n'est pas que les gens lisent. L'objet, en mettant ces 159 mots, c'est de créer un effet de masse pour dire « Il n'y a que deux pays, deux nullards, qui n'ont pas ratifié les accords de Kyoto. » Ramener un slide de visio, ce serait un slide comme ça. Comptez pas les mots, je les ai comptés pour vous, il y en a 52.
Ça veut dire que les pros de la communication mettent 52 mots quand ils veulent être sûrs que personne ne lit. Et nous, on fait des slides comme ça, un slide comme celui-ci. Précisément, il en a 74 et on espère que les gens vont lire. Mais il y a pire, hein. Ici, vous voyez, il y a un slide qui en contient beaucoup plus. Et même s'il n'y en a que 40, ça ne marche pas. En fait, la vérité, c'est que les slides à tout faire, c'est des slides à rien faire. On doit prendre l'habitude de respecter nos clients et de dire, bah, quand je présente des slides pour la visio, je les allège et je fais des slides qui viennent compléter ce que j'explique. Je vous fais une petite démo. Ici, c'est un sommaire d'une réunion de vente et les plus malins d'entre vous, au logo en bas à gauche, auront pu reconnaître le client à qui cette présentation a été faite dans les années 2000. Vous avez plein de trucs qui servent à rien sur ce truc qu'on va retirer, c'est les éléments de la charte graphique, les bandes bleues, le logo du client qui doit se rappeler qui il est, même le mot sommaire, tu es en début de réunion de vente, le client il sait bien que tu ne fais pas la conclusion. Le premier, notre groupe en quelques mots, moi ça me choque. Un commercial qui commence une réunion de vente en disant « je vais commencer par vous parler de moi », vous voyez, c'est comme un bolos qui irait en boîte de nuit, qui verrait la plus belle créature de la planète au bar et qui lui dirait « Salut, t'as l'air sympa, est-ce que tu veux que je te parle de moi pendant un quart d'heure ?» Ça revient à peu près au même. Comme méthode de drague, ça se pose là. Donc, je pense que c'est mieux de commencer à parler de l'autre en lui parlant de ses objectifs. Après, les trois sujets d'après, gérer un rayon, qu'est-ce que ça signifie pour vos équipes, la pédagogie utilisée, vous voyez qu'on est dans une vente d'une action de formation. Bah, en fait, c'est quelles sont les problématiques du client, ses défis, ses risques, ses enjeux. Ensuite, la pédagogie, l'accompagnement, l'intervention en trois temps, le planning, l'investissement, bah ça, c'est la solution qu'on va proposer. Et puis ensuite, les principaux avantages de notre collaboration. Bah les principaux, on imagine bien que tu ne vas pas donner les avantages merdiques dont personne n'a rien à faire. De notre collaboration, bah bien sûr, tu vas parler de la tienne et pas de celle des concurrents. Et donc, mettre les avantages suffirait. Maintenant qu'on a simplifié, qu'on a économisé le nombre de mots, ça permet de faire une disposition visuelle qui donne une idée du temps qu'on va passer sur chaque partie. Alors, certains d'entre vous vont dire « Ok, mais JF, ton truc, il est vilain, là. » Ouais, mais dans PowerPoint, tu mets des couleurs, des polices, et puis du truc vilain, tu en as fait un truc joli. Et ça, ça va permettre de rythmer la présentation en disant « Bon, bah, cher client, on va passer par quatre étapes. » Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette bien d'accord sur la bonne compréhension qu'on a eue de vos objectifs. Là, on coupe l'écran, on se parle en se regardant dans les yeux, et quand on a fini, qu'on est d'accord sur les objectifs, on va lui dire très bien. Maintenant qu'on est d'accord sur les objectifs, j'aimerais attirer votre attention sur les difficultés, les risques à les atteindre, justement, dont notre métier, ça va être de vous en prévenir, etc., etc. Et puis, ceux qui ne sont pas à l'aise avec les animations, vous avez des choses encore plus simples à faire, comme par exemple, alors ici, c'est juste pour vous faire comparer, qui préfère celui de gauche, qui préfère celui de droite. S'il y en a qui préfèrent celui de gauche, vous nous écrivez à la fin, on fait des très bons stages. Et un effet d'animation qui est extrêmement simple, c'est un effet projecteur, où on va balader un projecteur de ce type-là sur le visuel, pardon. On va balader un projecteur sur le visuel. Du coup, j'ai laissé les deux animations cumulées. Il devrait y en avoir qu'une parce que j'ai préparé ce keynote un petit peu rapidement. Et vous voyez, un effet projecteur comme ça va être extrêmement visuel pour un client en présentation. Alors, voilà sur les points principaux. Il me reste deux sujets, mais Loïc, rassure-toi, je vais les faire extrêmement vite. Non, il faut que tu termines. Là. Oui. Je termine. Sur la communication, l'équilibre oral et visuel. J'aimerais juste attirer votre attention sur l'alternance que j'ai eue tout le temps. C'est, il y a des moments où je vous ai regardé dans les yeux et j'avais rien derrière moi. Et notamment les deux premières minutes. La connexion, elle ne se fait pas en balançant des PowerPoint dans la gueule des gens. Elle se fait en leur parlant, en les regardant dans les yeux. Ensuite, vous avez vu qu'il y a des moments où je coupe et il y a des moments où je remets. Bah parce qu'il y a des moments où on a besoin et des moments où on n'a pas besoin. Et ça, c'est la même chose que dans la vie réelle. Les commerciaux qui n'avaient pas adopté les nouvelles technologies avant le Covid, quand ils faisaient une réunion physique où on présente un PowerPoint, ils branchaient le PowerPoint au début de la réunion et tu le laissais dans la gueule du client jusqu'à la fin. Mais il n'y a que dans les interrogatoires de police où tu branches une lumière dans la gueule des gens du début à la fin. Quand on fait une présentation dans une soutenance avec un PowerPoint projeté d'une manière un peu officielle, la touche qu'on utilise le plus, c'est la touche B comme black pour régulièrement le mettre au noir. Et donc, il s'agit simplement de porter pendant la visio ce qu'on faisait avant dans les réunions, c'est-à-dire de jouer une alternance et non pas l'affichage perpétuel de médias. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la préparation.
Et ici, vous voyez une checklist, vous la retrouverez facilement sur mon profil LinkedIn, juste pour qu'on en prenne bien la mesure. Voilà ce qu'il faut faire quand on prépare une visio. Il y a des choses qui commencent à la prise de rendez-vous, comme par exemple trois questions à poser. Combien est-ce que vous serez? Comment est-ce que vous êtes équipé? Et pour les plus grosses entreprises, est-ce que vous avez un VPN ou Citrix ou RDS ou OpenHost ou TS2Log ou MSTSE, etc. Pourquoi? Parce que ces informations-là, elles vont modifier l'organisation de votre visio pour qu'elle fonctionne. Je ne vais pas tous vous les lire. Voilà tout ce qu'il y a à faire dans la préparation d'une visio en amont. Le bleu clair, c'est à J-1. À H-1, à 1h-20, à 1h-20 d'une visio, voilà ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. 30 minutes avant, il y a l'optimisation de la connexion que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà ce qu'il faut faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de tâches à préparer qui sont extrêmement importantes pour être sûr de faire une visio qui se passe bien à chaque fois. Un pilote d'avion qui fait ça tous les jours, il utilise des checklists. Et nous, les commerciaux, on voudrait dire qu'on est capable d'opérer ce genre de process sans checklist. Quelle rigolade! C'est quand tu n'as pas de checklist, tu vas forcément faire des impasses. Alors, ma conclusion, c'est que vous avez aujourd'hui beaucoup de commerciaux qu'on entend dire « j'en peux plus des visios, ouf, c'est bientôt fini, vivement qu'on revoit les clients comme avant ». C'est curieusement, les commerciaux, plus ils sont nuls en visio et plus ils disent ça. Et aujourd'hui, la question n'est pas comment je reviens au monde d'avant. Il n'y aura pas de retour au monde d'avant. Il y a la seule question, c'est comment est-ce que j'apprends à faire ces visios-là mieux que les autres pour que les clients à la fin disent, un, j'aurais jamais imaginé qu'une visio puisse être aussi percutante, aussi interactive, etc. Et deux, qu'ils vous disent, mais comment vous faites? J'aimerais que mes commerciaux puissent faire aussi bien que vous. Ah bah, c'était une conférence, mon ami Jean-François, finalement. Alors, merci beaucoup, on va t'applaudir. Hein. On va t'applaudir, et Bruno revient d'ailleurs. Il t'a vu, il s'est mis au black, et puis il revient, tu vois. C'est... Bon, maintenant, tu n'as plus la parole, Jean-François, avant la prochaine session. Donc maintenant, c'est Bruno, Nicolas et Stéphane qui nous donnent leurs réactions et leurs bonnes pratiques à maîtriser par tout commercial en 2021. Voilà. Bruno, à toi, rapidement. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas prendre trop de place. Je voulais juste raconter une anecdote parce que je trouve particulièrement intéressant l'accent que Jean-François met sur la préparation. Et tout à l'heure, avant ma keynote, donc je me suis préparé. J'ai fait à peu près ce qu'il a fait. Je crois que j'ai dû m'y mettre au moins une demi-heure avant. Et puis le dernier truc qui n'est pas dans ta liste, Jean-François, c'est que, mais c'est normal parce que tu n'en as pas de lunettes. Mais le dernier truc, c'est que j'ai dit, je vais nettoyer mes lunettes. J'ai des lunettes exprès pour voir un écran qui est un peu éloigné. Et j'ai dit, je vais nettoyer mes lunettes. Et je ne me demandais pas ce qui s'est passé. Je nettoie mes lunettes, je remets mes lunettes. Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis flou sur l'écran. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu le temps d'arrêter mon ordinateur et de rallumer. Parce que je ne sais pas pourquoi OBS, que j'utilise aussi, OBS, d'un seul coup, me mettait flou alors que moi, j'avais mes lunettes propres. Et donc, j'étais bien content d'avoir effectivement préparé ça quelques minutes avant et d'avoir le temps en fait, de remettre les choses en place. Oui, et en plus, toi, tu ne regardes pas directement dans la, tu vois, sur la lumière, là, parce que si tu regardes dans la lumière, ça se reflète, là. Hein ? Faut regarder, voilà. OK, merci. Alors, Nicolas, quelques bonnes pratiques pour bien maîtriser. Après l'excellence de Jean-François, y a vraiment rien à dire. Parce que je dois dire que j'ai encore appris, cette fois-ci. On se bat, nous, en interne, et en particulier sur les PowerPoint. Alors, on se battait sur les PowerPoint dans des événements à 300, à 400, à 500 personnes, avec des petits caractères. Et là, je vais vous donner une anecdote. Il y a un événement qui va se passer dans mon environnement. J'ai préparé deux PowerPoint. Un où j'ai dit avec les petits textes et un sans les petits textes. Parce que pour moi, c'était sans les petits textes où il fallait absolument que ce soit choisi. Devinez ce qui a été choisi. Les slides IBM, avec ça. Les petits textes. C'est chez IBM, c'est une grosse boîte comme ça. Tu vois. Mais non, mais je crois que on le répète, on le répète, on le répète, on le répète, et ça met du temps.
Et malheureusement, je crois qu'on reviendra dans 5 ans, dans 10 ans, et on aura toujours les mêmes sujets, en particulier sur le PowerPoint. PowerPoint, et... c'est... Alors, Stéphane, mets ton micro, Stéphane, si tu veux parler. Hein. T'es en train... Ah non, il parle non, à... Vas-y, Stéphane. Non, c'est juste que je ne voulais pas couper la parole à Nicolas, bien évidemment. Donc, je réagissais à chaud. Mais malheureusement, je pense que beaucoup de personnes sont formatées comme ça dans certains milieux professionnels où plus il y en a sur ton PowerPoint, plus belle est l'histoire, mieux tu vends ta société. Deux petites anecdotes comme ça, Loïc. La première, j'ai fait travailler des commerciaux sur une présentation il n'y a pas très très longtemps, comme ça en guise de jeu. Je leur ai dit qu'ils avaient entre 10 et 12 minutes de présentation et la règle du jeu, c'est qu'ils avaient droit à 5 slides, pas plus. Donc certains sont un peu tombés de leur chaise. Mais voilà, donc obligation d'aller à l'essentiel et surtout de développer, comme l'a très bien expliqué Jean-François, ce qui t'intéresse, c'est quoi, ce qui est écrit ou ce que je dis, faites un choix. Voilà, donc mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et puis pour revenir sur les présentations, et tu nous demandais, tiens, deux, trois conseils. Les deux conseils que je donne, c'est un, préparez-vous, deux, entraînez-vous entre collègues, entraînez-vous avec vos amis, entraînez-vous avec qui vous voulez, préparez-vous. Et je vais donner juste une dernière anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, d'un commercial qui me présentait une offre via Zoom. Petite information, vous relisez votre offre PowerPoint et puis vous rabaissez votre PowerPoint, vous démarrez votre Zoom et vous partagez votre écran. Attention, quand vous allez partager votre écran, le premier slide qui va s'afficher, c'est le dernier que vous avez visualisé. Là, en l'occurrence, le commercial, le premier slide qui s'est affiché, c'est celui du prix. Il y en avait 8 avant et globalement, il a dû remonter son PowerPoint et finalement me réexpliquer plein, plein de choses. Malheureusement, j'avais déjà vu le prix. C'est un peu ballot comme approche commerciale. Voilà, c'est juste un peu dommage. Préparez-vous, entraînez-vous, amusez-vous. Il y a plein de choses de super à faire en visio. Et on peut faire plein de belles ventes. Oui, moi je vais dire quelque chose aussi, parce que comme vous le voyez peut-être, j'utilise un certain nombre de choses pour travailler. Là, vous voyez par exemple sur mon écran de devant, là, vous voyez ce que j'ai, vous voyez derrière moi, enfin bon, bref. Moi, ce que j'aime aussi, c'est un autre mot qui est très important, c'est la simplicité. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être imaginer en regardant mes écrans, etc. La simplicité, ça veut dire que je ne change pas et je n'améliore pas fondamentalement la configuration logicielle ou matérielle ou ma routine une demi-heure avant l'événement le plus important de la journée. Surtout pas. Chaque fois que je fais ça, je peux vous assurer, il y a des problèmes. Là, je n'ai eu aucun problème en 29 Social Selling Forum. Aucun, hein? Non, peut-être un ou deux quand même, mais c'est parce qu'effectivement, un, je m'entraîne en faisant, et deux, je ne change rien juste avant ce forum, par exemple. Rien du tout. Et pourtant, j'en ai de l'équipement et des trucs, hein? Et je fais ce que Jean-François a dit, sauf que je ne remets pas à zéro ma Freebox. Ça marche quand même assez bien parce que moi, je suis en fibre, etc. Donc, je n'ai pas de soucis. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a une question dans la salle présente pour nos amis, pas spécialement pour Jean-François, mais pour l'ensemble de nos quatre intervenants, ou une réaction dans la salle pour qu'on... Voilà, vas-y Alain. Moi, ce que j'aime bien, ce qui est exceptionnel dans la visio, c'est qu'on peut s'enregistrer et en parler de l'entraînement. Et ce qui est vraiment bien, c'est justement de se revoir après. Et souvent, quand j'accompagne les commerciaux, je leur dis, mais est-ce que vous êtes déjà vu après une visio, est-ce que vous avez repassé la bande? Et dans 9 cas sur 10, non. Et quand ils le font, il y a une vraie prise de conscience. Ils disent, ah oui, mais je ne voyais pas les choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un manque de prise de conscience, voire même de confiance en soi, et ça se remarque nettement dans la visio. Donc, c'est juste une petite observation que je fais et une expérience terrain que je pratique souvent. Merci. Un autre point. Merci Jean-François pour cette belle présentation. Merci. Merci. Un autre point dans la salle ou une question à Jean-François, Stéphane, Nicolas ou Bruno, qui sont nos quatre panélistes. Non, c'est bon. Ouais, vous êtes calme, hein. Vous en avez pris plein la figure avec. Ça fait à peu près la troisième fois que Jean-François il me passe à peu près la même chose et chaque fois je suis en admiration, Jean-François. Je sais pas comment je fais, mais bon. N'essayez pas de faire tout ce qu'il a dit, hein, Jean-François. Ça sert à rien de faire tout.
pour en faire. Mais par contre, faites-en au moins 50%. Hein, voilà. Alors, deuxième question pour vous, les amis. Qu'est-ce qui doit maîtriser en 2021 un bon commercial? Et ça fera la transition avec la session qui va suivre. Quelles sont les choses, on va dire, en général, hein, qu'un bon commercial de 2021 doit maîtriser? Que ce soit en visio ou autre, que ce soit dans son approche commerciale. Vous êtes tous dans le commerce, ou quasiment. Hein. Et Nicolas, ouais, c'est de la vente aussi. Oui. Je t'en donne deux ou trois. Oui, vas-y. Stéphane, je me lance, t'en donne deux ou trois. Rapidement, comme il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'il doit maîtriser son ciblage et sa cible? Il doit adresser les bonnes cibles. Il faut arrêter de perdre du temps, de l'énergie, s'épuiser sur un ciblage qui n'est pas forcément le sien. Donc, allez, tiens, je te le donne, le ciblage. Il doit très souvent revoir ses techniques, et notamment ses techniques de découverte. L'art est la manière de poser des questions, de poser les bonnes questions. Et puis, tant qu'on est sur le sujet, d'écouter les bonnes réponses. Et peut-être de temps en temps un peu moins parler de lui. On en revient à la présentation de tout à l'heure, ne pas faire 30 slides qui présentent mon entreprise, mon activité, etc. etc. Voilà, simple et pragmatique. Bruno, allez, Bruno Delezenne. Oui, à mon sens, il doit maîtriser les problématiques de ses clients. Il doit maîtriser effectivement l'art d'aller les chercher, les décortiquer, etc. Et il doit savoir, moi j'appelle ça, enfin, ce que j'appellerais embarquer, quoi. Il doit avoir le leadership qui fait qu'il va embarquer les gens dans un projet et qui va transformer ce qui pourrait être un intérêt ou une bonne idée, etc., en quelque chose de concret. Et qui est un projet qui va se traduire par une vente derrière. Ok, merci. Nicolas ? Je dirais beaucoup de choses ont été dites. Moi, il y a quelque chose qui m'horripile et ça a pris encore plus d'acuité avec le Covid. C'est ce qu'appelle Yann le mode bourrin, où tous les jours, je reçois au minimum 2 sollicitations pour tout et n'importe quoi. Donc, je dirais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et je dirais Jean-François, Bruno en ont fait la démonstration aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut maîtriser ces nouveaux outils parce que c'est devenu essentiel. Et de ma propre expérience, ça demande de la répétition, ça demande de s'y intéresser, mais c'est accessible même des personnes qui n'ont pas forcément une forte compétence technique. Et on arrive à faire de l'OBS, on arrive à faire des petites vidéos sympas et attractives. Donc, maîtrise des outils et puis éviter le mode bourrin. Mais Yann va beaucoup mieux en parler que moi dans la prochaine session. Je ne sais pas, parce qu'il parle du marketing, il ne parlera pas de la vente, c'est Yves qui va parler de la vente. Hein. Mais tu as un troisième point, parce que j'en avais dit trois, hein. C'est la règle de trois, vous savez, ça marche pas mal, la règle de trois. Hein. La règle de trois, c'est ce qu'a montré Jean-François avec les PowerPoint. Je dirais ça, c'est un point essentiel pour moi. Bon, et Jean-François, toi, quelles sont les trois choses qu'un commercial doit absolument maîtriser en 2021? Alors, je vais aller un peu plus loin sur chacun des 2-3 points qui ont été dits. Le premier, sur le ciblage de Stéphane, c'est qu'en fait, le ciblage, c'est arriver à trouver les clients qui ont le problème que je sais résoudre et les trouver au moment où ils l'ont. C'est à ça que sert le social selling. Et donc, le social selling, pour pouvoir cibler les clients qui ont le problème que je sais résoudre. Le deuxième, je vais rebondir sur celui de Bruno, qui est maîtriser les problématiques du client. C'est que ça, c'est un des rouages essentiels du social selling. C'est qu'en fait, je vais m'exprimer sur des problématiques des clients. Pour ça, ça demande de les connaître, comme le disait Bruno. Et les clients qui vont réagir à ça, déjà, rien que le fait de lire, c'est parce qu'ils les rencontrent. Et donc, c'est ça mon moyen de ciblage, de communiquer sur les réseaux sociaux sur les problématiques de mes clients et de les aider à les résoudre. Un peu, pas complètement, parce qu'après, j'ai besoin qu'ils viennent vers moi pour vendre et leur vendre la suite. Et ça, c'est l'inverse de faire de la pub sur les réseaux sociaux, le point qu'a évoqué Nicolas, qui fait chier tout le monde et qui est la non-compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis le troisième point, c'est le dernier qui a été évoqué, c'est le fait de maîtriser les outils,
le point de Nicolas, de maîtriser les outils. Les outils, c'est le détourage, OBS, 20 balles dans un chromaquet, le bon son, l'optimisation de la connexion. Merci Jean-François. Alors on retrouvera Jean-François ce soir à 17h03, une fois que j'aurai lancé la session, sur une autre keynote de 20 minutes, Jean-François. Hé, Jean-François, 20 minutes ce soir. Oui, monsieur. Hein, parce qu'il y aura beaucoup de débatteurs, 25, bon, mais hein, voilà. Et ce sera sur quelle est la place des réseaux sociaux comme LinkedIn dans le processus de vente, ou autre chose si tu veux. Ok. Non, ce sera ça. Voilà. En attendant, nous avons terminé cette première session du troisième jour du Social Selling Forum Festival. Je vous suggère d'applaudir nos amis. Et si vous n'êtes pas venu tout au début, ben vous pouvez revoir tout ça en replay. Et je vais vous remettre en permanence le lien vers le replay parce que tout le monde me demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je vais le remettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a toutes les vidéos depuis un an et demi. Et dans des playlists, dont une playlist qui s'appelle Festival. Et la chaîne YouTube, c'est celle du Social Selling Forum. Hein. Mais vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le trouver, il va falloir que je vous le redonne. Et puis, vous avez aussi tout ça sur mon compte LinkedIn, mais là, c'est moins pratique parce qu'il faut retrouver les différentes vidéos. On ne peut pas les classer sur LinkedIn. Hein. Voilà, alors nous terminons donc cette session. Tous nos amis qui sont les prochains sont-ils déjà tous arrivés? On a Yves, notre premier keynote speaker. Salut Yves! Qu'est-ce qu'on a? Jean-François est toujours là. Michel, il est peut-être quelque part derrière, lui. Il était là tout à l'heure, mais il va revenir. Catherine, elle n'est pas là. Bon, Christophe. Bon, on verra. Ce n'est pas très grave du moment que Yves est là. Je vous souhaite... je vais vous laisser 2 secondes pour ceux qui nous regardent en différé, enfin plutôt en live streaming, parce qu'on fait du live streaming. Ben, on reprend dans 1 minute et demie le live streaming, hein, ou dans 2 minutes le live streaming. Donc, revenez sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitch, sur Twitter, ou sur... Oui, je crois que j'ai tout vu. Voilà, LinkedIn, Facebook, YouTube. Voilà. À bientôt, bye bye. Et entre-temps, Christophe est arrivé. Restez là, j'arrive.